Bonjour à tous et bienvenue sur Orphelia. Aujourd'hui, nous allons parler d'art visionnaire. Ce n'est pas un gros mot, c'est un art. Nous allons voir de quoi il en retourne. Et pour en parler, j'ai invité deux spécialistes et non des moindres. J'ai en ma compagnie Pascal Ferry. Bonjour Pascal, comment vas-tu? Bonjour Daniel. Et Martina Hoffmann. Bonjour. Hein, bonjour à vous deux, vous allez bien? Oui, ça va oui, bien. Très bien. Très bien. Alors, on on a vu. Juste de te visualiser et ouais. Visualiser notre image, parce que là, on est dans le flou. Excuse-nous pour l'instant. Ça oui, pas de souci. Je voulais ouvrir les images. Les images. Voilà. Pour qu'on puisse suivre. Alors, ouvrez les images sans aucun problème. Ouvrez, ouvrez. Bon, après. Et puis, avant d'entamer, ce qui serait intéressant, c'est de parler déjà de qui vous êtes. Parce que. Moi, je dis vos noms, mais peut-être certaines personnes ne vous connaissent pas. Alors, qui veut se présenter en premier? Je commence en premier. Bien sûr, d'accord. Toujours les femmes. Vieille France. Non, oui, j'ai peur. Alors, je m'appelle Martina Hoffmann. Je suis allemande de naissance et j'ai vécu dans le monde, dans plusieurs pays du monde. J'ai grandi en Afrique. Et j'ai vécu en France, j'ai vécu en Espagne, à Cadaqués, dans la ville de Salvador Dali. Et j'ai passé quand même une grosse portion de ma vie adulte aux États-Unis, dans une très très belle ville qui est connue pour sa contre-culture, Boulder, Colorado. Et je suis peintre visionnaire. Et j'étais mariée avec un grand peintre de la peinture visionnaire, Robert Venosa, qui n'est plus là malheureusement, depuis 2011 il est parti, et puis voilà, et puis j'ai créé mon art pendant toute ma vie, et voilà, et maintenant je me trouve ici en France, beaucoup entre la France et les États-Unis, parce que j'ai passé ma vie entre les deux continents, et j'espère pouvoir le continuer, et voilà, je suis là en France avec Pascal, mon nouveau partenaire, et voilà, c'est un peu... Et tu exposes d'ailleurs bientôt à Paris. Oui, je suis ravie d'être part d'une belle exposition de peinture chamanique au musée du Quai Branly, Jacques Chirac, qui ouvre le 13 novembre et qui va être ouvert au public pendant 6 mois jusqu'au mois de mai. Et ce sera donc une exposition sur 600 mètres carrés et ce sera de la peinture qui est très focalisée sur la plante chamanique ou entiogène ayahuasca, qui est très connue dans les régions de l'Amazonie, de l'Amérique du Sud surtout. Et donc les peintres péruviens, les sculptures péruviennes et quelques gringos et gringas. Je ne suis pas sûre exactement à part de l'expo. Et j'ai eu l'honneur d'écrire aussi un essai pour le catalogue pour les musées de France. Voilà. Merci Martina. Pascal, qui es-tu? Ouh là là, si je le sais. Ah, alors moi, j'ai pas grandi en Afrique. J'ai grandi en Bourgogne, c'est moins exotique, mais c'est pas mal non plus pour plein de choses. Je fais de la peinture visionnaire également, mais mon parcours a été un petit peu plus jalonné d'expériences musicales surtout. Mon passé, c'est surtout la musique. Aussi animateur radio, et après avoir peint pas mal d'années et fait beaucoup de pochettes de disques, en restant dans le domaine musical, j'ai fondé une maison d'édition qui s'appelait Sidon Banshees Image, où là, pendant 14 ans, j'ai produit des gens comme Geoffra, François Schlesser, Hélène Dorienne, Séverine Pinault, Olivier Ledroit, Christophe Vacher, enfin plein de peintres du fantastique, de la féerie, d'art visionnaire, Ziga, Yves Thomas. Donc voilà, et en 2014, après une période plutôt compliquée avec une longue maladie, voilà, j'ai dû arrêter mes éditions pour me soigner. Et puis, juste à cette époque-là, j'ai rencontré Martina lors d'un festival qui n'existe plus pour l'instant. Je ne sais pas s'il reviendra. C'est Chimeria. C'était la maman de Romuald Le Terrier Oui.
qui faisait ça, qui s'occupait et qui avait créé ce grand festival sur l'arche arménique et visionnaire à Sedan. On s'est rencontrés en 2012, justement, fin 2012, comme ça, pendant cette expo. Et puis après, ben voilà, on s'est retrouvés à continuer le chemin ensemble. Et ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, c'est vous avez un parcours, très bien, mais comment vous avez rencontré l'art visionnaire? Comment c'est arrivé entre vos mains? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Bah, pour moi, c'était par la rencontre de Robert Venosa. Et donc, j'habitais à Paris pendant ce moment-là. Des amis m'ont emmené à Cadaqués, en Espagne, la ville de Salvador Dali. Et ben, par synchronicité, je dirais, j'ai rencontré Robert, qui habitait là déjà depuis presque 10 ans. Et qui était assez, il était assez, je dirais pas proche de Dali, personne n'était proche de Dali vraiment, mais il était très, il le fréquentait assez régulièrement. Et bon, Robert, il avait quand même, c'était un des peintres américains qui s'est mis en Europe dans les années 60. Je pense début mi-70, et qui a continué son chemin et développé son art à Cadaqués. Il avait étudié avec Ernst Fuchs et aussi avec Marty Klawein, qui est bien connu pour ses pochettes de disques comme Abraxas, Miles Davis, Jimi Hendrix. Enfin, c'était un de ses... Il n'a pas vraiment passé beaucoup, beaucoup de temps à étudier avec eux, mais c'est Matty vraiment qui a vu son travail à New York, parce qu'ils étaient des New-Yorkais. Et puis, il a vu le travail de Robert. Il était autodidacte, en gros. Il était aussi art director pour CBS, Columbia Records. Il a dessiné l'album de Abraxas, entre autres, pour Santana. Et il a aussi fait le logo de Santana. Et puis, donc, en rentrant en Espagne, il est devenu vraiment le peintre. Il a laissé son art commercial de pub à côté. Et puis, il est devenu peintre. Et puis, il est très connu pour ses mondes astro, très, très spirituel. Et tout d'un coup, j'avais une attirance à cette génération, cette demi-génération avant moi, ou cette génération avant moi, qui avait vécu toutes ces années 60, Woodstock. Je me suis trouvée à très jeune âge devant la télé, et j'ai vu Woodstock et j'ai carrément pleuré, parce que je me sentais tellement loin de tout ça, en Allemagne, dans un petit village où on habitait pour un petit moment. Et puis j'avais cette envie, je sentais qu'il y avait quelque chose, et je pouvais pas encore le décrire. Je sentais qu'il y avait une connexion, quelque chose à découvrir. Bref, quand j'ai rencontré Robert, il a vécu tout ça, et puis il connaissait plein de monde, et c'est par lui que j'ai rencontré les grands peintres de la peinture visionnaire, les musiciens comme Carlos Santana, et puis voilà, des gens assez intéressants qui étaient. Kitaro, c'était un ami aux États-Unis, il habitait pratiquement à côté, au Colorado. Et puis voilà, et puis j'ai fait des pochettes pour lui aussi, j'ai fait de la photographie, enfin j'ai fait plein de choses créativement. Mais l'art visionnaire, c'était vraiment, quand je suis venue à Cadaqués, je peux décrire ça comme si j'avais un sentiment que pour la première fois dans ma vie, j'avais 23 ans, que j'étais rentrée chez moi. Ça y est, j'avais découvert un monde qui me parvenait, pas juste l'ambiance de la nature, mais aussi toute l'ambiance, le côté bohème et artistique surtout. Il y avait plein d'artistes qui habitaient et travaillaient encore là-bas. Et j'ai demandé à Robert de me montrer un peu la technique, qui est une très très belle ancienne technique. C'est la technique des Van Eyck, des frères Van Eyck. Et qui en gros, c'est la peinture flamand qu'on peut voir au Rijksmuseum à Amsterdam. Tous les beaux œuvres sont là.
aujourd'hui encore en bon état. Et j'ai appris par Robert, il m'a montré comment faire la miche technique, ou la technique des maîtres. C'est une technique où on combine la tempéra, la peinture à l'eau sur une toile avec des glacis d'huile transparente. Qui donne une brillance exceptionnelle. Mais ça, voilà, ça c'est la portion technique, mais visionnaire, l'art visionnaire et le monde et l'esprit visionnaire, j'ai vraiment rencontré à travers mon futur mari. On est restés ensemble et puis on a vécu 30 ans ensemble. Et puis voilà. Et pour Pascal, comment tu as rencontré l'art visionnaire? C'est probablement, je dirais, mes premières expériences psychédéliques, je les ai vécues vers l'âge de 12 ans. Donc, un gros problème de migraine, très très puissante, qui m'empêchait presque d'aller à l'école. J'ai eu un petit médecin de campagne dans le tout petit bled où j'étais, qui s'appelait Les Bordes, et j'étais aux abords d'une forêt, la vallée des Guenins. Et pour ceux qui savent un peu la langue, ils pourront s'amuser à chercher ce que ça veut dire. Mais surtout, donc ce médecin, à l'époque, a pu me fournir des sprays à base d'ergot de seigle, donc du LSD, du Dr Hoffmann. Sans déconner. Voilà, c'est autorisé en France encore, là. Et donc, pendant 3 mois, j'ai fait une cure de spray à longueur de journée. Je me mettais des petites... J'avais plus mal à la tête. Hein. Ça marche. On a ça plus marche. Mal extra. Mais après, on voit des choses. On voit aussi des choses étonnantes. Ouais. Donc, je pense que ça a commencé déjà comme ça, parce que j'ai eu une approche de la nature assez particulière. Proche de la nature, d'après ce que tu dis là. Hein. Très proche, j'étais toujours dans la nature. Ça, c'est pour moi, il y a la méditation et la. Il y a quelque chose de profondément ancré en moi avec la forêt, entre autres. Mais et donc, j'ai eu quand même des visions un peu particulières parce que je vois le petit peuple. D'accord. Et c'était quoi ta réaction? Tu as eu peur? Tu as 12 ans quand même, tu as peur? Tu Non, réagis comment? Surpris. Surpris, vraiment d'accord. Surpris. Ok. Il y avait un jardin. Au-dessus, dans cette forêt, il y avait deux chemins. En plus, c'est très, comme dans le symbole, c'est très étonnant. Il y avait un chemin à gauche, un chemin à droite. Celui de droite, je ne le prenais jamais. Il foutait les jetons. Il y avait une espèce d'ombre et tout. Et à gauche, j'allais souvent, il y avait une carrière où il y avait des morceaux de quartz énormes. On aurait dit des diamants. Donc, on allait gamin là, on fouinait, on était content. Et c'était très lumineux. Il y avait, en plus, c'était magnifique. Il y avait des champs entiers de fraises des bois. Il y avait les murs. Il y avait... Donc, mais en haut de toute cette colline, on arrivait dans un endroit où il y avait un jardin abandonné. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans ce jardin de toute mon enfance. Par contre, tout poussait, mais hallucinant. Les pommes, des framboises, des trucs, tout poussait. Et c'est juste derrière, dans un vallon, où j'ai aperçu des êtres éthérés et... ressemblant à des lutins dans les illustrations anciennes de Scandinave et tout ça. Et quand ils m'ont vu, pouf, ils ont disparu. Ils ont disparu. Et ça, effectivement, ça ne m'a pas fait peur, mais ça m'a tout de suite, j'ai dit, oulala, c'est quoi tout ça? Okay. Et après, j'avais une attirance à y revenir. C'était vraiment... C'était ancré. Ah, ben, j'ai des souvenirs d'enfance là-haut qui sont incroyables. Est-ce que ces souvenirs, enfin c'est des visions, est-ce une levée du voile, est-ce qu'elles sont plus réelles que le monde où l'on vit? Autant. 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 Ça reste ancré en moi et c'est autant que le monde réel. Il n'y a pas vraiment de distinction pour moi. C'est des strates différentes. Mais ça, voilà. Mais je pense que c'est ces premières approches qui m'ont fait donner ce goût. Et après, au lycée et au collège, bon, c'est la découverte avec deux, trois amis avec qui je fais de la musique. Dont un, c'est marrant parce que mardi, j'ai revu, ça faisait 41 ans que je n'avais pas vu mon premier batteur. Il Okay. vivait au Québec. Il est venu et le bassiste aussi. C'est les premières expériences de musique. Après 3 mois, on a donné des concerts et c'était au lycée. Et il a retrouvé une cassette, il l'a numérisée. On a pu s'entendre après autant d'années. Ça fait bizarre. Ah, c'est clair que ça fait bizarre. C'était très, très marrant. Mais entre autres, avec cet ami, ce bassiste, Thierry,
et Patrick Cozard, qui était un excellent peintre. On a travaillé la musique, mais en même temps, on était vraiment dans une époque où on lisait tous les livres de science-fiction, donc les collections de Press Pocket avec Swin Mac. Il y avait déjà ces couvertures, il y avait les collections plus de gare pour moi, mais bon, moi, on commence toujours par quelque chose. Il y avait Gabriel Yan, il faisait de l'heroic fantasy, tout ça, chez Fleuve Noir. Et là, on trouvait des couvertures de Tim White, ou des couvertures de Chris Foss chez J'ai lu aussi, des gens comme ça. Et Casa. Voilà. Donc ça, c'était la première approche, c'est les couvertures de livres de science-fiction, et après les pochettes de disques, évidemment, parce que là, dans la musique progressive ou le hard rock ou toute cette musique de fusion aussi, Yes, avec Rod Jordan, ça c'est un choc, et c'est un des premiers chocs, je pense. Ensuite, c'est l'art visionnaire est venu bah, avec cet ami, Patrick Cozard, qui a arrêté la musique et qui a commencé à faire beaucoup d'expos. Et c'est grâce à lui que j'ai rencontré, bah, par son biais, parce qu'il a commencé à exposer à Paris et après au Japon. Et après, je l'ai suivi, on a exposé ensemble au Japon. Et c'est là que j'ai rencontré Yves Thomas, que j'ai rencontré DiMaggio, que j'ai rencontré Casimir Tziga, que j'ai rencontré bah, puis les grandes galeries parisiennes des fins des années 80, ce qui n'existe plus. Depuis les années 2000 et quelques, il n'y a plus ces galeries-là. Mais à l'époque, il y avait des expositions avec des gens incroyables comme Beksinski, comme Giger, comme tous ces gens-là. Il y avait une galerie à Paris, la galerie Dochmoski, qui avait ces gens-là, Sybille Rupert. Il y avait beaucoup de choses. Donc l'approche a été assez facile. Moi, j'avais 1 heure de train et j'allais tous les mois, toutes les vernissages, toutes les grandes expos. Je commençais la peinture et donc c'était un réel plaisir. La galerie Rare, ça, c'était le lieu. Il y avait DiMaggio, Alain Margoton, Yves Thomas, Landais, Dietrich. Enfin, c'était énorme. Il y a eu un très bel hommage cette année au petit palais. C'est le petit palais, hein. Le Grand Au Palais. grand palais. Le palais éphémère. Je ne sais plus comment ils disent. Tu sais, ils ont refait le palais en construction, enfin, reconstruction. Et il avait, depuis 30 ans, il n'avait pas ressorti une partie de sa collection, Monsieur Serran, le directeur. Et ça, c'était extraordinaire de revoir ces tableaux. Oui, c'était exceptionnel. Moi, j'ai eu cette chance-là, en tant que jeune peintre, de tout de suite fréquenter, je dirais, bah, mes maîtres, que ce soit Yves Thomas, Alain Margoton, des gens comme ça. Vous commencez le dessin, ils vous accueillent dans leur atelier, ils vous montrent des techniques, ils vous montrent des livres de grands maîtres anciens. Il y a un enseignement, quoi, il y a une transmission. C'est des gens qui m'ont apporté énormément. Donc, moi, c'est par ce biais-là, ça a été assez simple, c'était une période simple. On fouinait. Bon, moi, je suis un fouineur, je suis un collectionneur de livres, je suis un collectionneur de tout. Donc, Paris, c'était énorme. Il y avait Monsieur Jacques, comme je l'appelais, un regard moderne, la librairie rue du Gîte-Lequeur, il me gardait les livres, des mois, des fois. Et c'est comme ça que j'ai rencontré la Miss, moi. Ah, De d'accord. Robert. Voilà. Deuxième livre de Robert, il me l'a gardé pendant 2 à 3 mois. Ça devait être en 92. On a mis 20 ans pour se rencontrer dans la vraie vie, mais c'est comme ça que j'ai rencontré Martina. Et il s'est passé un espèce de choc émotionnel et très bizarre à la vue de son portrait dans le livre de Robert. Bon, moi, je n'avais même pas encore mon grand-fils, j'avais ma femme et tout, mais il s'est passé un truc vibrationnel, je sais pas comment on pourrait dire. Et un, la peinture de Robert, parce qu'elle est exceptionnelle et j'attendais ça depuis longtemps. C'est-à-dire il savait marier une modernité incroyable, une partie même un peu abstraite dans l'art visionnaire, et à la fois des portraits, par exemple, hyper réalistes, incroyables, et vraiment un univers qui me parlait. Et puis bon, j'ai vu que Martina, bon, c'était la compagne et la femme de Robert. Donc j'ai dit, bah, je la rencontrerai jamais. De toute manière, ils sont aux États-Unis, elle est mariée, moi aussi, bon, bah, tout va bien. Mais Et puis l'univers voilà. et Oui, des jeux avec les gens, des fois. c'est Et c'est extraordinaire. ce qui est très exceptionnel aussi sur notre rencontre, c'est que Pascal a quitté sa compagne de 27 ans la semaine où Robert est mort. Ah. Après 27 ans de vie commune. Avec, Elle n'avait pas après, 27 ans, je oui, pense. non, oui, voilà, exactement. Après 27 ans de vie commune, oui, Oui. j'ai Alors, décidé de c'était. partir, mais je ne savais pas que Robert était parti. L'interconnectivité des choses Oui,
Quelque chose qui nous dépasse. Voilà, ouais. Voilà. C'est quand même c'est extraordinaire tout ça. Il y avait plein de choses après en plus. C'est incroyable, par exemple, Alain Margoton, que je considère comme le plus grand dessinateur vraiment du 20e et 21e, qui est pas, pareil, un gars qui n'est pas très reconnu encore, c'est hallucinant. C'est un pur génie. Pour moi, c'est le plus grand dans l'art visionnaire. Et il était ami avec Robert. En plus, oui. Ils ont échangé d'accord. Des tableaux chacun. Ils ont exposé à Cadaqués. Ben Robert avait créé plusieurs galeries à Cadaqués dans le temps, et puis il avait invité Alain de montrer ses œuvres à Cadaqués. Ce qui a un lien entre leurs peintures. Voilà. Il y a des choses. D'accord. Indépendamment, ils ont créé des formes et des esthétiques qu'ils étaient, à un moment donné, il y avait quelque chose de très... Ils avaient créé ça similairement, en même temps, sans le savoir. Et quand ils se sont rencontrés, ils ont vu ça. Alors, c'était aussi très intéressant. Donc, il y avait des liens déjà, même dans ma vie, avant de rencontrer Martina. C'est étonnant, oui. L'univers, il décide beaucoup de choses au-dessus. Et puis, on a quand même aussi des parallèles dans notre enfance, parce que Pascal, il a décrit avant comment il était très connecté à la nature. Pour moi, c'était pareil, parce que si je me souviens bien, la nature, c'était vraiment le lieu où j'ai ressenti cette chose pour la première fois. Où je me ressourçais auprès des arbres quand j'avais un petit malheur, et j'allais dans la nature, je courais dans les champs, et tout d'un coup je me sentais apaisée, il y avait quelque chose qui me tenait, qui me donnait du confort. Et bien sûr, après j'ai rencontré vraiment, avec mon ouverture de spiritualité, j'ai compris qu'est-ce que c'était cette lumière que je voyais aussi. Il y a aussi un rapport avec Dr. Albert Hofmann, qui a eu une expérience très similaire dans son enfance avec la nature, où il a vu la forêt et tout d'un coup elle était lumineuse, elle était vivante. Et on a beaucoup discuté sur ça, parce que... Alors, une petite parenthèse sur Albert Hofmann, parce que qui est Albert Hofmann? Qui Ah oui, pardon, oui, bien sûr. Alors, le monsieur Dr. Albert Hofmann, c'était le chimiste suisse qui avait découvert et synthétisé, enfin, qui avait découvert le LSD, et donc une substance qui est extrêmement puissante et qui produit par ingestion des états de conscience modifiés ou expandus. Voilà, tout simplement placé. Et puis, Et l'impact de la découverte d'Albert Hofmann, quand même, a été monumental pour l'Amérique. Monumental, et le monde après, bien sûr. Ça a changé le monde. Et puis, Robert disait toujours que Albert était un des plus grands révolutionnaires du XXe siècle. Sans un doute, parce que c'est à cause de cette substance que la culture et la révolution des années 60 aux États-Unis a pris cette force, parce que c'est une voilà. Oui, on va faire la citation d'Albert Hofmann, parce qu'on en profite. Bien. Voilà, Albert Hofmann. Alors voici cette citation, c'est la première. En observant les découvertes scientifiques au travers d'une perception approfondie par la méditation, nous pouvons développer une nouvelle conscience de la réalité. Cette prise de conscience pourrait devenir le fondement d'une spiritualité qui ne serait plus fondée sur les dogmes d'une religion, mais sur la compréhension d'une signification supérieure. Je parle de la possibilité de reconnaître, de lire et de comprendre les révélations par soi-même. Oui. Alors, Albert Ah, Hofmann, découvreur du LSD, révolutionnaire d'un monde culturel, psychédélique également, après lui. Il dit ça. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ben, Albert, c'était quelqu'un de... Déjà, c'était une personne d'une spiritualité extrêmement profonde. Parce que tu l'as très bien connu. Je l'ai très bien connu. Je le fréquentais. On a commencé à... On l'a rencontré au début des années 90.
Il était déjà très âgé. Il était, c'était impressionnant de voir un monsieur qui était déjà dans ses 90 ans, d'être si vif, si clair mentalement et si enthousiaste, si plein de vie. Il avait un esprit très autre, et ben voilà, la spiritualité, c'était, il a répondu aussi beaucoup à quelque chose que je ressentais très jeune, que j'avais cette connexion à cette chose que je pouvais au début pas décrire intellectuellement ou avec des mots, que je ressentais tout simplement, que aujourd'hui je sais c'est la connexion à la source, que j'ai gardé, que j'avais déjà très jeune et que j'ai juste appris à définir plus tard par les expériences. Et la découverte de Albert Hoffman, Dr. Albert Hoffman, était part de ça. C'était ma première ouverture, c'était carrément avec le LSD. Et j'ai jamais pu avant, en ce moment-là, je suis déjà adulte, jeune, très jeune adulte, mais je ne pouvais pas, par exemple, prononcer le mot Dieu, parce que pour moi, c'était trop relié aux religions organisées. Je n'aimais pas ce qu'il représentait, pas la belle philosophie qui est derrière, évidemment, mais j'aimais pas les institutions. Alors, après cette expérience, ma première expérience avec le LSD, que j'appelle ma première expérience spirituelle entiogène, c'était carrément une ouverture extrême où, au début de ce voyage, j'ai tout de suite eu une connexion super prononcée, super, j'étais reliée à tout, ma conscience, elle était partout, c'est-à-dire que j'étais dans la nature, je regardais un champ de fleurs et j'étais la fille qui était accroupie devant ses fleurs en étonnement de leur beauté. J'étais chaque fleur qui regardait la fille individuellement. J'étais chaque chose dans cette nature et j'étais aussi ce que j'aime bien appeler le witness, c'est-à-dire je me sentais comme une conscience qui voyait tout en même temps, mais globalement. Alors c'était en gros un petit moment d'éveil complet et que j'ai gardé, qui m'a changé pour toujours. Et voilà, et après cette expérience, j'étais heureuse, j'avais rencontré cette expérience de grâce, qui est un luxe, ça vient et ça part dans la vie, mais quand on a cette expérience, c'est incroyable, ça remplit le cœur, on est joyeux, et tout, et on a cette expérience d'être relié vraiment avec tout, et voilà. Et puis après, j'avais envie de parler de ça beaucoup. C'est là où j'ai vraiment prise la décision de devenir peintre, parce que j'avais tellement envie d'exprimer tout ça. C'est dingue. Voilà. Une idée qui me vient à l'esprit. Tous les deux, vous avez eu la première expérience avec le LSD, là. Quand on revient de cette expérience et qu'on regarde le monde, je veux dire, quand on a vu une expérience de grâce ou qu'on a vu un monde invisible et qu'on revient, qu'est-ce qu'on se dit de ce monde? Comment on le regarde? Et ensuite, quand on a encore d'autres expériences et on revient, quelle est l'idée qu'on se fait de ce monde qui nous entoure? Moi, quand je suis revenu de ces expériences, bon, après, il y en a eu d'autres. On va parler de champignons, parler de certaines substances, mais je le trouve encore plus magique. Les gens ne se rendent pas compte. Par contre, je trouve que c'est du gâchis. C'est que souvent, les gens, ils passent devant des pures merveilles et ils regardent pas, quoi. Ils regardent pas les rochers. Là, on est au bord de l'océan. Quand on est ici, on est à Carnac. On est à 5 minutes de l'océan. On se balade régulièrement. On a un petit chemin côtier qui est sublime et il y a en ce moment, on a une grande chance ici, il y a toujours des fleurs. C'est un endroit en Bretagne, il y a toujours des fleurs, même en hiver.
il y a des fleurs, il y a des choses qui poussent, et au bord de mer, il y a une petite fleur particulièrement que nous, je ne sais même pas son nom, moi, ça sent le miel, ça sent un truc. Bon, à chaque coup, c'est un bonheur. Sentir aussi. Mais Et tous les sens sont en en éveil après-saison. en après-saison, parce que c'est encore mieux. Je n'ai rien contre les touristes. Hein. Non, mais Mais quand même, ça pousse c'est dans bien mieux. Et là, ça pousse l'après-saison. maintenant. Et Ouais. c'est surtout, je vois les gens qui passent devant des choses, les rochers qui sont complètement ciselés, sculptés par l'océan, c'est d'une beauté pour moi indescriptible. L'écume, la lumière de. Tous les jours, c'est un coucher de soleil différent. Il y a un endroit qui s'appelle Saint-Colomban. C'est exceptionnel. J'ai vu des trucs de complètement. Bah, c'est visionnaire, la nature. Elle nous envoie des images. Vous pouvez voir, il y avait une soirée, moi, qui m'a vraiment marqué. C'est qu'il y avait un coucher de soleil. On regardait. Et sur Belle-Île et Quiberon, il y avait un orage qui arrivait. Donc, c'est devenu noir, la moitié de la vision, avec un océan comme de l'acier. Un truc givré, et de l'autre côté, il y avait l'orange rose du coucher de soleil. J'aurais voulu le peindre, ça. Le mettre dans ma tête et le peindre. Mais c'est presque impossible. C'est des visions, justement, de voyage. Et non, moi, ça m'a amené les voyages de dire que notre univers, c'est un vrai paradis, la Terre, et qu'on attend l'humain le pourri, quoi. Il a toujours rien compris, quoi. C'est vraiment un paradis. Le nombre de. Toutes les formes de vie sont exceptionnelles. C'est complètement extraterrestre qu'on voit dans l'océan comme dans la nature. Il y a des bêtes, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'elles foutent là? Parce qu'on se dit, qui c'est qui a fait ça, quoi? C'est complètement visionnaire. Il y a des choses, il y a Un des formes. émerveillement, Il y a un l'émerveillement de la émerveillement. nature. Moi, c'est un des endroits encore où je trouve un émerveillement. Parce que après, c'est un peu plus compliqué. Quand on revient de certains voyages aussi, on affronte une certaine réalité, et bah, qu'elle soit politique, sociétale, enfin tout ça, c'est pas toujours simple ça. Et puis il y a l'humain. Bien Et il sûr. y a plein d'humains qui sont dans un matérialisme pesant et qui c'est pas facile d'avancer. C'est pas on parle souvent d'éveil, on voit l'éveil. Moi, je trouve que ça va pas assez vite, hein, mais bon, je suis peut-être impatient aussi. Alors, je fais juste un partage écran. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous voyez le partage écran? Hein? Un grand Qui? monsieur, là. Ah oui, un grand monsieur. Qui est-il? Qui est-il? Alors, William voilà. Blake. Voilà, William Blake. Tu disais justement, c'est difficile le matérialisme, enfin le côté humain, et ça m'a fait penser à William Blake, un peintre art visionnaire, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, bien sûr, mais qui était un visionnaire quand même, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et il a gravé, peint, même un grand poète. Et qu'est-ce que l'art visionnaire en fin de compte? Voilà la question que je pose quand je mets cette toile de William Blake en face de nous. Qu'est-ce que l'art visionnaire? Puisque à l'époque déjà de William Blake n'a pas pris de psychotropes ou de plantes entéogènes. Il a eu une autre forme d'expérience qui l'a ouvert à la dimension, disons, visionnaire, spirituelle. Mais comment peut-on entrer dans le monde visionnaire et qu'est-ce que l'art visionnaire en fin de compte? Alors là, il y a beaucoup à dire. Alors, Oui, si tu veux. par exemple, pour moi, William Blake, c'est un visionnaire symbolique. Je mets des petites branches, Oui. moi, dans l'art Alors, visionnaire. Il y a. OK. Pour dire, peut-être juste pour expliquer un peu comment Pascal, ainsi que moi, comment on voit ce terme visionnaire, pour nous, ce n'est pas une école d'art, c'est un Non. courant. Qui a commencé au début de la première expression humaine artistique jusqu'au présent, jusqu'au contemporain. Et puis dans chaque temps, il y a eu des artistes visionnaires. Et des fois, même, ils sont visionnaires une Une fois, un fois tableau avec un seulement. tableau, même s'ils ne sont pas visionnaires, même un peintre abstrait peut être visionnaire. Un peintre surréaliste peut être visionnaire. Il y a par exemple, dans le courant des surréalistes, il y a quand même Max Ernst qui est
très développé, plus fantastique et visionnaire que les autres. À partir du moment où il fait ses paysages en papier décollé et des choses comme ça. Voilà. Et puis même Salvador Dali, Dali a des toiles visionnaires. Il a des toiles visionnaires carrément. Alors c'est quoi visionnaire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Après, je sais que d'autres peintres qui se disent visionnaires, moi je les considère comme des peintres fantastiques. Ah, il y a une différence entre visionnaire et fantastique. Après, et je ne les considère pas comme visionnaires. Alors, c'est quoi visionnaire? Alors, moi, je me rapproche des définitions de M. Serran, justement, de la Galerie Roy, mais pas uniquement. Mais il avait posé, je dirais, un petit peu les jalons d'une explication que je trouve intéressante. Et en tout cas, il prenait une certaine forme d'art visionnaire auprès de ses peintres, dans le sens où, premièrement, il parlait d'un art qui doit être intemporel. Et quand il parlait d'intemporalité, il disait donc pas d'anecdote. C'est-à-dire que le surréalisme, et par exemple, vous prenez un titre de Magritte ou de Delvaux, de n'importe, qui, rien que le titre, vous avez déjà, ça y est, c'est très mental, vous voyez le tableau. Vous ce dites, n'est pas une pipe. Et c'est, voilà, par exemple, boum. Mmh. Dali, il y a beaucoup d'anecdotes dans sa peinture. Et je pense à un grand peintre, à la fois visionnaire, symbolique et surréaliste par moment, c'est Roland Kahn qui a disparu, qui était un grand, grand monsieur. Quand il nous fait une forêt tropicale, amazonienne, extraordinaire, avec des lumières qui arrivent, ou des forêts de champignons complètement gigantesques, et puis il vous fout devant un pingouin, comme disait Serran, il dit, mais c'est pas possible ça. C'est pas possible de faire ça. Il dit là, il vient d'un seul coup, et finalement, c'est surréel. Qu'est-ce que fout ce pingouin dans cette forêt? Et il dit, il nous gâche tout, quoi. Pour lui, c'était, il nous gâche tout. Il nous fout le truc devant, boum. Il y avait cette notion aussi de sacré. Il disait, l'art visionnaire doit avoir une sacralité, une spiritualité, quelque chose de puissant là-dessus. Par le fait que la lumière, on ne la pose pas sur la toile, elle vient de la toile. Ça doit émerger de l'œuvre. Cette lumière va transcender. Ça fait partie des petites choses comme ça, voilà. Tamani. Qui effectivement, ouais, c'est Louis ça. Louis Tamani, oui. Tamani. C'est pour, c'est lui. Ouais, c'est... Oui, c'est parfait. Ouais, ah. C'est pour ce que tu es en train de dire. La toile. Là, on voit cette lumière. Voilà, c'est parlant cette de la lumière. Cette lumière intérieure qui sort du canvas et puis elle vient de partout. C'est pas une lumière, c'est pas une, il y a pas une source de lumière fixe. C'est pas forcément logique. Quelque part. Oui. On sent que ça vient d'ailleurs, c'est ça. Oui. C'est un autre monde. Ouais. On sent qu'il y a une émergence sur la toile de quelque chose qui vient d'ailleurs et qui nous procure une certaine forme de. On est ailleurs, on est dans une forme de sacralité, atemporelle même, comme tu signalais tout à l'heure. Et c'est un peintre chaman. Tu le connais d'ailleurs, vous le connaissez? C'est un ami, oui. Ouais, Louis Tamani. On est bien exposé ensemble. Ouais. C'est un peintre de quelle origine? Péruvien. Chamanique. Chamanique. Oui. Et puis, ces tableaux sont tous basés sur les expériences avec l'ayahuasca. Qui est une substance qui est en gros basée sur deux plantes principales, avec des plantes ajoutées selon les chamans et la fonction du voyage de guérison. Mais en gros, c'est la Banisteriopsis carpi. C'est le côté, somatique. C'est l'expérience qu'on a dans le corps. Et après, la plante qui donne les visions, c'est la Psychotria viridis. Et ça, c'est la plante qui contient le DMT. Et les plantes, ces deux plantes, l'un sans l'autre, ne font pas grand-chose. Ils passeraient dans le corps et sortiraient sans qu'il y ait un grand effet. Par contre, si on les met ensemble, il y a un effet qui bloque une certaine substance qui empêche de sortir ces substances du corps. C'est-à-dire, c'est un MEO blocker. Je ne sais pas comment on dit en français. C'est-à-dire, ça bloque la fonction du corps de sortir ces substances et c'est là où se passe le voyage et la vision.
Et donc, dans ces visions-là, on rencontre ces autres mondes qui sont très particuliers à la forêt vierge de l'Amazonie, la rainforest. Et c'est des et puis aussi on a ces lumières, la géométrie sacrée, les formes fractales qui se présentent. Et Tamaluis, il est super, il est très doué à exprimer ça. Donc vous parliez de la définition de l'art visionnaire, on parlait de lumière justement, de sacralité, d'atemporalité, d'un message qui dépasse le temps et l'espace. Là, j'ai présenté cette toile en même temps qui vient d'une autre culture et que vous exprimez à travers vos toiles, et donc d'une autre manière. Et ce qui est très intéressant, c'est si c'est atemporel, on le retrouve, comme tu l'as dit Martina, depuis le commencement de l'humanité dans des grottes préhistoriques jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on touche quelque chose dans l'art visionnaire et on essaye de le ramener dans la toile, c'est ça? Exactement. Exactement. C'est pour moi, l'art visionnaire est une expression de l'artiste qui essaye de montrer le monde spirituel. Et peut-être, parfois, c'est la recherche à le trouver aussi. Et pour nous... je peux parler pour moi, Pascal peut parler pour son travail lui-même. Pour moi, c'est une espèce de... une fonction d'un channeling, c'est-à-dire moi, je m'ouvre complètement, c'est vraiment comme un voyage aussi, je commence par un fond assez abstrait, je ne fais pas de planning, je ne dessine pas, ce n'est pas moi qui contrôle ce qui va apparaître sur ma toile, c'est la toile qui va me dire ce qu'elle veut devenir, ou bien c'est encore autre chose, un monde autre ou une énergie autre qui va s'exprimer à travers ma toile. Mais c'est moi, je suis comme un outil. Un vecteur, quelque chose de transparent. Voilà, oui, je qui facilite pose. La création de cette toile, mais je guide. Je guide, je décide aussi, ça reste, ça va apparaître, mais c'est pas complètement moi, c'est pas mon ego qui va dicter à la toile ce qu'elle doit devenir. Y a-t-il une différence avec l'art intuitif ou spontané, si ça vous parle? C'est l'art médiumnique. Hein, oui. Y a-t-il une différence avec cet art médiumnique? Aujourd'hui, on parle d'art intuitif même. Intuitif. Oui. C'est pas une chose qui me dérange en soi. Je donne des cours depuis un an, et je passe un peu par cette phase-là, parce que je travaille avec des gens qui n'ont jamais peint du tout. Donc, ma première phase, c'est leur faire travailler les textures sur papier lisse, papier noir, toile, pour essayer de créer justement leur propre imaginaire avec leurs propres textures et qui commencent à visualiser des choses. Donc, on peut parler d'une certaine forme de peinture intuitive. Si ça s'arrête là, ce n'est pas forcément très intéressant pour moi, en tant que peintre. Après, il faut quand même la technique pour y mettre les volumes, poser la lumière, travailler les harmonies de couleurs, enfin, et la composition. Donc, ça ne me dérange en rien, mais pour moi, c'est encore différent. C'est plus une expression, simplement, là, pour moi, l'art intuitif. C'est très, très bien, ça peut aider beaucoup de gens. Alors, si ça peut certainement me guérir, on se rapproche un peu de l'art thérapeutique, je pense aussi. Il y a des fois, ça doit être des choses que les gens ont envie de sortir. Je passe par là pour les aiguiller sur un art visionnaire aussi. Après, c'est... Là, on a... nous, il y a quand même... pareil, comme disait M. Serran, on ne peut pas être visionnaire sans bonne technique. Voilà, exactement. Il faut travailler la technique. Il n'y a pas d'autre. On a une mouche, elle nous embête. Hein. Ah oui, elle est là. Elle a peut-être quelque chose à dire. Peut-être quelque chose à dire sur leur visionnaire. Quand on regarde les plus grands maîtres de la peinture visionnaire, donc Jérôme Bosch, Leonardo, il avait quand même des fonds très, très, très visionnaires.
Et ben, tout ce qui s'est passé, ben, Max Ernst, bien sûr, Pavel Tchelichev, enfin des gens qui sont vraiment dans cette... Des grands techniciens quand même là. Hein. Et c'est tous des grands techniciens. Et puis on ressent aussi cette il y a quand même aussi ce courant, on ressent cette spiritualité, elle est là. Et sans dogme, comme disait Albert Hoffman. Hein, sans dogme, sans dogme. Et c'est ça aussi quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Tu avais demandé qu'est-ce que vous avez fait, comment vous voyez le monde après, après par exemple l'expérience avec les plantes. Bah, y a une chose que tu développes une indépendance. De faire confiance à cette connexion avec l'univers que tu fais par toi-même et pas par une institution, pas par un gourou, pas par une philosophie particulièrement, mais que tu as. J'aime bien dire qu'à un moment donné, j'avais mon numéro privé pour appeler la source, quoi. Alors, je peux me connecter quand je veux. Ouais. Et comment je veux. Et c'est toujours là. T'as un contact direct, c'est ça. T'as un contact direct. Ouais. Et ça donne aussi une paix intérieure. Mmh. Une paix et puis une sécurité. Et donc, avec l'art visionnaire, ben voilà. Et puis, ça se passe par inspiration, révélation, conduite, mm-hmm. synchronicité. Donc, on suit le flux cosmique, ça se passe comme ça. Et est-ce que ça vient par les rêves ou ça vient obligatoirement par ingestion de plantes entéogènes ou par la méditation? Comment ça arrive tout ça et comment ça atterrit sur la toile? Tu veux? Oui. Je reviens sur ce que tu disais justement par rapport à l'art visionnaire. Ouais. Tu as parlé de ta manière de travailler. Oui. C'est la même. Robert avait la même. Okay. Pour moi, c'est aussi une des choses importantes dans l'art visionnaire. On n'est pas une peinture mentale. Dans l'art fantastique, qui peut être. Et les imaginaires, il y a le fantastique, le surréalisme, l'onirisme, le symbolisme, même le romantisme, une forme d'art visionnaire par certains peintres, comme à l'école d'Hudson, par exemple, je pense à Church ou à Bierstadt, leurs lumières sont complètement visionnaires. Tu baisses la vision, tu arrives avec un tipi des Indiens, des biches, on est dans une peinture figurative qui exprime une réalité. Mais la lumière, elle est très, très spirituelle. Donc, je ne dessine pas non plus, j'ai arrêté ça. Je dessinais avant, je pensais un tableau et c'était une autre chose. Maintenant, je me laisse porter totalement. Et effectivement, alors, Martina et moi, on ne prend rien depuis, mais... Ah non, 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 c'est... Ça fait 5-6 ans que je n'ai même pas touché de l'herbe, rien. On était un peu guidés de devenir extrêmement clean, sain. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on était pollué avant, mais on est arrivé dans une situation... où notre réalité nous a proposé de vraiment de ne pas boire, de ne pas fumer, de ne pas même les voyages entéogènes. Ben, en gros, il y a aucune différence dans ma connexion à l'esprit et dans mon rapport avec la source et dans ma manière de travailler mes tableaux. En faisant rien que d'être moi-même et de m'ouvrir à cette source. Peut-on dire dans ces cas-là que ces moyens ont permis d'ouvrir quelque chose de naturel et qu'aujourd'hui, c'est naturel sans avoir ces moyens? Naturel, oui. Je pense qu'on garde en soi ces expériences et je pense qu'il y a une mémoire cellulaire. Ça arrive de revoir des choses sans avoir rien pris. De Martina, je sais qu'il y a des moments, elle va me dire, tiens, là, j'ai une vision fractale. Oui. Et d'un seul coup, on s'est baladé, mais il se passe quelque chose. Mmh. Je pense qu'il y a une vraie mémoire qui reste dans le corps. Et aussi des fonctions strictement chimiques, ce qui se passe dans le cerveau, par exemple, dans le stage hypnogénique pendant la nuit, hypnogogique. Gogique pendant la nuit où c'est le moment où, quand on passe d'être éveillé
au sommeil, cette phase entre les deux, c'est un état où on est extrêmement ouvert. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Donc aussi, où, à un moment où le cerveau peut produire du DMT qui peut faire des flashs, qui peut faire des visions assez colorées. Et dans les rêves aussi, dans les rêves bien conscients, moi, beaucoup de fois, j'ai des rêves qui sont très, très, très... c'est comme les voyages avec les plantes. Est-ce que c'est lié aux états de conscience modifiés? Donc, quand on peint un art visionnaire, on dit, tiens, là, il y a une conscience modifiée, une lumière qui vient d'ailleurs. On parlait de technique et tout. Et on se dit, tiens, il touche quelque chose et je le ressens. Oui. Je pense qu'au bout d'un moment qu'on pratique la peinture de notre façon, de notre manière, il y a une espèce d'automatisme. Alors, ça va plus ou moins vite, ça vient plus ou moins vite quand on se met au travail, mais il y a toujours un moment où je pars. La technique, on l'oublie. Il faut la posséder pour l'oublier. Et là, on l'oublie, et je commence à voir que je ne suis pas le peintre, je le sens, je suis plus le médium de quelque chose, le canal de quelque chose. Et c'est ça qui me plaît vraiment, c'est de ne plus avoir à dessiner ou à penser, je ne peins pas mes rêves, ça c'est un truc pareil, moi je ne fais pas partie de ça. D'autres peintres visionnaires vont me dire, l'art visionnaire pour eux, c'est les rêves et l'interprétation qu'ils en font. Moi non, je veux juste être le canal de quelque chose qui me tombe dessus, et quand ça se passe, c'est magique, parce que je ne sais jamais ce que je vais peindre. Et donc, quand je savais ce que j'allais peindre, j'avais moins d'émerveillement, parce que c'est technique. Là, j'ai un émerveillement parce que je ne sais pas ce qui va arriver. Ben ça, c'est une peinture que j'ai offerte à Martina. Je l'ai fait en 2012-2013. C'est quand j'ai repris la peinture, après quand même entre 8 et 14 ans d'abstinence. J'ai dessiné un petit peu, mais bon, j'étais éditeur, je crois te l'avoir dit. Donc, ouais. Le titre du tableau est important, Le songe d'une nuit d'éther. Oui, il y a un petit jeu de mots avec ça. Ouais, j'entends bien. Mais ça, c'est venu juste la petite partie en haut avec cette lumière, là, cette espèce de petite chose. À gauche, en haut, là, c'est ça? En gauche, voilà, là-haut, ouais. Ça a provoqué tout le reste. Ah, ouais. Et c'est venu tout seul, très rapidement. Et après, évidemment, je retravaille les volumes, je retravaille la lumière. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, il y a beaucoup de temps de travail. Mais la vision vient très rapidement, en fin de compte, la plupart du temps, ça vient très vite. Mais je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Et c'est pour ça que ça me plaît. Ça me permet d'aller dans d'autres mondes. Parce que ce que je trouve intéressant sur cette toile aussi, que c'est une des toiles, enfin, je suis tombée amoureuse de cette toile, parce que, enfin, ça m'a fait penser, je ne connaissais personne jusqu'à ce que j'ai rencontré Pascal, qui peignait un peu de la manière de Robert. Alors, quand j'ai vu cette toile, j'ai retrouvé la même, tu vois, cette espèce de monde astral, la lumière, la légèreté et cette lumière spirituelle. Et c'est donc, ça me fait penser parfois quand même que est-ce qu'on n'a pas un lien qui va au-delà de notre lien terrestre, qui nous relie peut-être dans le cosmos, qu'on vient d'un système de planètes, d'une galaxie particulière, on vient tous de là, et donc on se souvient, et puis on peint les mêmes mondes, parce que ça c'est aussi quelque chose qui est quand même très prononcé, ça me fait penser un peu au voyage entéogène aussi, où quand on voyage avec une personne proche, on est quand même relié d'une façon où on peut carrément fermer les yeux et parler de ce qu'on voit, et on voit la même chose. Alors, et puis je pense que peut-être en voyant les similitudes entre ces tableaux, ça indique peut-être qu'on a vraiment des passés, on revit, on se souvient ensemble d'autres mondes qu'on a peut-être fréquentés en même temps, ou les mêmes mondes de toute façon.
Voilà. Alors, là, je présente un tableau que tu as peint, Universal Mother, la Oui. mère universelle, c'est de toi. Et donc, il y a toujours ce jeu de lumière dans vos deux tableaux, dans l'art visionnaire de manière générale. Peut-on parler de gnose dans votre approche, dans l'art visionnaire de manière générale aussi? Est-ce qu'il y a une forme de gnose, une connaissance universelle atemporelle et que chacun peut toucher et ramener sur Terre? Oui, je suis. Un peu comme les mémoires akashiques. Un peu comme ça, ou les anciens textes gnostiques, les Oui. premiers chrétiens et tout ça. Ça veut dire on retrouve dans les traditions multimillénaires ou pas une connaissance non humaine, la gnose. Exact. Ça vous parle? C'est une de mes toiles chouchoutes de Martina. Bon, elle est importante parce que pareil, ça a été pour Martina, elle a perdu sa maman, 2015. Et elle a peint cette toile-là en hommage à sa mère. Donc, c'est pour ça la mère universelle. Mais c'est une toile hallucinante au niveau Oui. du travail de couleur, de transparence. Moi, je l'ai vu peindre, ça a été un boulot de dingue parce que vraiment. Ah, Ah, le téléphone, c'est l'univers l'univers qui qui nous rappelle. appelle. Oui, j'étais en train de dire, c'est une toile hallucinante pour moi, ça. C'est un des tableaux préférés de Stanislas. Oui, c'est Ah. sa toile préférée. Il Il l'a adore chez celle-là. lui, il en a, et il adore cette toile. Ça On lui parle de parle. Groff, hein, pour ceux qui Oui, nous écoutent. lui qui adore les archétypes et tout. Ouais. Là, ça Ouais. lui parle beaucoup, beaucoup. Ouais. Alors, Et lui. non, il y avait un boulot de dingue. J'ai vu comment elle a travaillé au niveau des glacis. Je pense que c'est même une toile où tu as fait le plus de glacis de couleur pour ses transparences et cette lumière C'est fort possible, oui. qui ressort. Celle-là, elle part pas de la maison, ça, normalement. Oui, elle est au musée, elle est Ouais, là. en cours au musée au Quai Branly. Alors, elle sera donc Elle en sera à l'expo. exposition au mois de novembre jusqu'au mois de mai, OK. par de cette exposition dont je Ouais, parlais au sur l'arche début. chamanique. Alors, ce Ouais. tableau, je l'ai peint, comme dit Pascal, après la mort de ma maman. Et comme d'habitude, j'ai juste fait une toile voilà, je l'ai commencé avec ce fond abstrait. Et Alors. puis, beaucoup de fois, quand je peins quelque chose, il y a aussi un message qui se présente à moi. C'est-à-dire que je comprends pas tout de suite. Beaucoup de fois, c'est ce que j'ai peint, mais il y a une traduction qui se fait après, par l'observation, par les conversations avec d'autres personnes qui voient encore autre chose. Mais je me suis rendu compte que j'ai transposé ma relation que j'avais terrestre avec ma mère, et je lui ai accordé le titre de mère universelle, parce que maintenant elle est devenue part de cette mère universelle qui nous a créés. Enfin, j'aime bien le côté, j'aime bien montrer le côté féminin spirituel, enfin le féminin sacré, parce on a fait un beau travail à travers l'histoire à fur et à mesure, enlever l'élément féminin dans le sacré, surtout dans les religions organisées, chrétiens, beaucoup. Et voilà, et c'est ma façon de montrer, voilà, il y a la mère universelle, et puis maintenant, ma maman, elle vit là-bas, et puis ma connexion, elle est avec une mère universelle maintenant, elle est devenue ça. Donc, il y a une part de mythologie dans l'expression de l'art visionnaire. Aussi, oui, il y Aussi. a ça, oui. Ouais. Je pense qu'on travaille sur des archétypes et Des des archétypes de la paradigmes. mythologie. Hein. Ouais. Et donc, vous retrouvez dans les anciens textes, peut-être, ou les anciennes œuvres, des idées communes, en disant, tiens, ça, il parle de ça, tiens, ça résonne. Je ne sais pas, l'Inde ancienne, la Chine. C'est-à-dire, c'est une connaissance universelle distribuée à travers l'humanité, à travers les âges, comme ça. Et des grands visionnaires qui ont aussi écrit des choses. Est-ce qu'il y a eu cette résonance quand vous lisez certains textes anciens, par exemple, ou modernes? Oui, puis même Absolument. visuellement, il y a des civilisations visionnaires pour moi. Ah, tiens, quand tu Oui. dis visuellement, ça veut dire sculpté, là, non? Oui. Ah, j'entends bien. Je Vas-y. pense que tu penses aux mêmes choses. Je crois Mais aussi. tout ce qui est l'Inde, tout ce qui est L'Inde. les temples khmers, Les temples khmers, enfin, toutes les ces choses, les Mayas, Mayas, les Égyptiens, la culture de Bali.
Oui, Bali, extraordinaire culture. Incroyable. Ouais. Après, il y a aussi les La cultures, Mésopotamie, oui, toute la aussi, culture ouais. sumérienne, babylonienne. Enfin, il suffit d'être au British Museum ou ce genre de choses qu'on y a été il y a quelque temps. Mais c'est pas, je comprends même pas que les gens ne le voient pas, c'est qu'ils étaient tellement plus avancés que nous pour moi. C'est tellement beau, c'est tellement puissant, c'est tellement bien fait. Ça pose même des problèmes pas mal qui se disent Oui, comment bien ils ont sûr, de fait comme les ils ont choses, fait quoi. ça, On peut se poser des questions. Et Ouais. tout Bon, on est assez passionné d'archéologie de toute manière. Et puis bon, le... Carnac, c'est moi, je suis pas pour rien à Carnac. Voilà. Le C'est vaisseau de Kouper, certain, je vais c'est le dire comme certain, ça, c'est avec certain, un c'est ça. archéologiste de Carnac, Cyril Chaigneau. On a notre association, les vaisseaux de pierre. Mais non, il y a beaucoup de questions sur ce genre de choses. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur une chose. Quand tu as parlé de famille, moi, mon premier voyage, ce n'est pas à 12 ans. Ah bon, c'était C'est à avant? la naissance. Ah d'accord, Ah oui. vas-y, on t'écoute. On m'a déclaré mort. Ah, EMI donc. Ouais. C'est très bien parce Et que le tableau, je vois le voilà. tableau, c'est pour ça. Ok. C'est une des raisons pour lesquelles je peins beaucoup de passages Ok, ça c'est lumineux. ta toile, hein, pour que ceux qui Ouais. regardent. C'est une de tes toiles. Hein. Le Ok. songe creux. Et effectivement, j'ai fait mon premier voyage à la naissance. Et bon, ils m'ont ramené, je suis revenu. Je ne sais pas si j'avais vraiment envie de venir, mais bon, de toute manière, je suis là, c'est bien. C'est bien pour moi, en tout cas. Et après, vers justement à peu près l'âge où j'ai pris ces substances de Monsieur Albert, j'ai pu revenir en arrière et écrire ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, en plus, c'est que j'ai vu des êtres qui ressemblent, mais comme deux gouttes d'eau, aux êtres que peignait Robert. En plus. C'est pour ça que toujours Robert, je dis, c'est comme un frère. Alors, je pense qu'on est venu sur Terre, mais on était incarné ailleurs avant et on se connaissait. Bon, et même moi, les personnages que je peins, sans... Tout début, j'ai peint des personnages, je suis beaucoup dans le paysage maintenant, mais j'ai peint des personnages et ils ressemblaient à ceux de Robert, comme ils ressemblaient au personnage d'Alain Margoton. C'est assez étonnant qu'on a une similitude des personnages assez grands, des espèces de têtes hydrocéphales, des choses. Et moi, c'est eux qui m'ont nettoyé, qui m'ont ramené, et ce genre de choses. Et après, je les ai vus dans des voyages, à nouveau. C'est des frérots, quoi, pour moi. Donc, c'est toujours bien de les voir. Donc tu crois à la réincarnation, au retour, Alors, c'est par une connaissance certaine ou c'est des soupçons? je soupçonne. J'ai souvenir et j'ai eu, entre guillemets, des, j'aime pas dire certitude, mais des événements dans ma vie avec des rencontres de certains messagers véritables dans cette vie-là m'ont amené à confirmer un certain nombre de vies antérieures. Après, est-ce que c'est une mémoire cellulaire collective qui se retranspose en moi et qui me visualise dans ces vies-là, je ne sais pas. En tout cas, il se passe des trucs bizarres pour moi. Je pense que ça devrait poser beaucoup de questions à plein de gens, parce que mais quand je parle aux gens, c'est pas simple, hein. Il y a pas mal de personnes. Il faut savoir à qui on s'adresse quand on parle de ce genre de choses, hein. Sinon, on vous regarde avec des drôles C'est de... certain aujourd'hui, hein, Ça bien reste sûr. encore... Pas quand Et j'ai... quels sont les thèmes, en fin de compte, de l'art visionnaire? C'est quoi les grands thèmes? Parce qu'on parlait de mythologie tout à l'heure, on parlait de la sculpture et tout, mais c'est quoi les thèmes de l'art visionnaire? Il y a des thèmes ou pas déjà? Ah oui, bien sûr. Il y a des thèmes. Enfin, dans les peuples des cavernes, c'était les chamans. Les chamans, les animaux sacrés, les chamans ou les êtres qui étaient moitié animal et moitié humain. Est-ce que c'est le chaman qui se transforme en animal dans une vision? Est-ce que c'est des êtres qui étaient carrément comme ça? Enfin, il y a ça. Et après, bon, quand on s'approche du Moyen Âge, c'est toujours, il y a quand même, on sent quand même, il y a le sujet de Dieu.
puisque c'était un monde très chrétien ici dans l'Occident. Après, dans d'autres peuples, c'est peut-être voilà, leur façon de d'appeler les dieux, un dieu particulier. Et ben, mais c'est toujours cette chose qui est la chose sacrée, la source. J'aime bien dire la source. La source. Que, oui, source, c'est bien parce que j'aime bien des expressions qui nous donnent un moyen d'exprimer cette énergie dans une forme plus unitarienne, plus avec moins de connotations culturelles. J'aime bien peindre la spiritualité et cette énergie, mais sans connexion à des cultures ou des religions particulières. J'aime que ce soit direct et connotation, pardon. Voilà. Là, j'ai présenté un tableau de Laurence Caruana, que vous connaissez, c'est un de vos amis, qui est aussi un artiste visionnaire. Alors, The Pearl, il est très branché gnose dans ses travaux et dans ses visions. Là, c'est la paire gnostique. Oui, beaucoup d'ouvrages. La géométrie sacrée, enfin pas mal de choses. Ouais, fascinant, beaucoup aussi de conférences. L'art visionnaire, oui. Dans l'art visionnaire, exactement. Ah, il est à Prague d'ailleurs, je crois, non? Il n'est plus là, il habite en France. Ah, il habite en France, ah, c'est bien. Il était à Vienne avec sa femme. À Vienne, ils avaient l'académie d'art visionnaire à Vienne. Ok. Ils sont revenus en France avec Florence. Okay. Bon, là, c'est pour donner une autre image, une autre illustration, un autre style de cet art visionnaire qui présente toujours ce jeu de la lumière, la gnose ou la lumière intérieure. Et on voit très bien ce jeu entre l'ombre et la lumière avec des influences aztèques maya qu'on peut voir dans les tableaux. Et ici, là, hein, avec un peu chrétien, côté luciférien, mais cette dame de lumière qui ressort des ténèbres, bon, enfin, je ne vais pas faire parler le tableau, je laisse ceux qui nous regardent de faire parler le tableau, mais c'est un peu ça, il y a un message, on ressent qu'il y a quelque chose dans le tableau qui vient d'ailleurs, qui est atemporel, et qui est un message éternel, et qui est toujours présent. Alors, c'est très codifié hein, dans ce qu'il présente, ici, là, tout est codifié, et je vais présenter un autre tableau de Martina, hein, qui est celui-ci. Ah oui, c'est Leaving Shadowland, quitter le pays des ombres. Hein, il y a une, tu vois le rapport avec Laurence Caruana, un petit peu cette lumière qui part des ténèbres en dessous. Enfin, je voulais faire un petit rapport. Voilà. Oui, alors qu'est-ce que c'est? Bon, ce tableau-là, il a pris du temps. Et puis, je l'ai peint en gros pendant toute la phase plus hermétique du Covid. C'est pour ça que je... Voilà, et il s'est formé comme ça. Et je pense que c'était comme si j'allais créer un mouvement dans ce tableau qui va nous sortir de cette fermeture d'esprit corporel, des circonstances, et qu'on allait quitter cette... je l'ai fini avec la fin du Covid, en gros. Et puis, on voit l'oiseau. Oui, la tête de l'oiseau juste là, là. Voilà, c'est un oiseau qui est en feu. Alors, donc, le phénix, il y a le signe de l'infini par-dessus. J'adore utiliser ce symbole parce que... C'est pour moi, c'est nous, la vraie croyance ou la vraie foi, c'est là où on sait qu'on est vraiment des êtres infinis. Est-ce que ça, c'est le sceptre d'Hermès? Voilà, c'est le caducée. Le caducée d'Hermès. C'est le symbole de la guérison. Après, il y a cette espèce de dragon qui peut représenter les craintes, si je veux analyser. Et ça, j'aime pas trop parce que j'aime bien que les gens ont leur propre expérience avec mes tableaux, mais si on veut vraiment analyser, on pourrait dire, bon, le dragon, crainte, subconscience, qui se protège,
Et peut-être nous, mais aussi qu'on garde nos précieux dragons une fois quand on les a nommés, comme a dit Rilke, je pense. Enfin, on lui accorde ceci qu'il a dit, si on peut nommer, il faut nommer nos dragons parce qu'ils cachent, il faut les accepter parce qu'ils cachent nos plus précieux trésors. Voilà, une chose, je paraphrase, hein, c'est pas exactement. Oui, bien sûr. Ah, Bien voilà. sûr, bien sûr. Voilà. Et ça me fait penser à l'œuvre de Carl Gustav Jung, tout ce que vous dites indirectement. À chaque fois que je vous entends un petit peu Carl Gustav Jung. Vous avez lu ses ouvrages, vous êtes inspiré, vous l'avez peut-être rencontré, je ne sais pas. Le livre rouge. Oh, malheureusement, oui, le livre rouge, oui. Malheureusement, non, je ne l'ai jamais non, rencontré. Ça va pas trop. Non, je n'ai pas eu cet honneur. Non, Mais non. Bien sûr. Et ces ouvrages vous ont inspiré, vous parlent? Qu'est-ce que ça... Dire honteusement que je ne l'ai jamais lu. D'accord. Et c'est quelque chose auquel je vais remédier parce que plus ça va, plus ça m'intéresse. Je le OK. trouve passionnant. Donc, OK. Dans ce que tu as entendu, c'est ça? oui. Bah, ce qui était intéressant chez Jung, pour moi, c'est toujours ma maman, elle m'avait donné l'interprétation des rêves de Freud. Et je me souviens toujours de cette rage, de cette rage folle que j'avais, que j'aimais pas comment il posait les femmes, comment il voyait tout par cette vue qui était fixée sur la sexualité. Enfin bref, enfin Bien c'était pour sûr. moi c'était assez rigide, c'était assez oh, peut-être un peu misogyne aussi, et puis voilà, misogyne. Et puis Et Jung, quand j'ai commencé à découvrir un peu de Jung, sur ce que je sais de lui, bah, j'ai trouvé que tout d'un coup, il y avait encore une fois cette ouverture à la spiritualité qui est super prononcée chez lui, où il est, voilà, une personne exceptionnelle à trouver l'inconscient, mais aussi d'avoir trouvé le collectif, ce qui se relie à notre système même génétique, comme Pascal dit, on ne sait jamais quand on se souvient d'une vie antérieure, si c'est quelque chose qui est collectif, qui est juste une mémoire, parce que comme on avait parlé avant, si j'ai des mémoires de l'Allemagne, peut-être d'avoir vécu, une personne qui a vécu pendant le temps des Germains, ben, peut-être que c'est juste parce que j'ai ces génites, ce système génétique, des gènes dans mon corps. Ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment particulier à notre âme enfin, il y a Ouais. cette grande discussion. Et Joseph Campbell, ça, Ah oui, il vous a excellent. influencé Oui, beaucoup, beaucoup. Mais beaucoup, ça, Joseph c'est Campbell. voilà, oui, bien sûr. Parce Mircea Eliade, peut-être aussi, dans l'aventure, dans les pattes, je ne sais pas. que... Non. Tout ça, enfin oui, Ouais, bien sûr, Platon, enfin, tout ça, c'est quand même, c'est tout ça, c'est part de notre, ben, les grands ancêtres qui nous ont inspirés aussi, nous ont voudrait fait rêver. parler du problème social, enfin du problème de l'humanité, qui est de l'enfermement. Vous parlez de cette chose, l'enfermement, tu disais, Martina. Cet espoir de sortir de cet enfermement. Quelle est la cause de l'enfermement de l'humanité? Pourquoi les hommes sont si fermés? Pourquoi ils ne sont pas ouverts? Quelle est la cause de ça? Et après, je vais faire la citation de Terence McKenna, hein? Mais... mais pour vous, alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi, d'où vient ce problème? Pourquoi Ben on est dans cet état? je pense que c'est une. Ben déjà, je pense que c'est. On est toujours. Toute l'humanité a toujours été bien enfermée par des règles, par ceux qui aiment dominer, qui aiment le pouvoir pour dominer les autres. Parfois juste pour le plaisir du pouvoir, parfois pour le maté des raisons de matérialisme, de se faire des richesses sur le dos de la multitude de l'humanité. Et voilà, c'est Pascal.
Tu veux ajouter quelque chose, oui. Je pense surtout que l'homme, plus je vieillis, plus je m'aperçois qu'il a du mal avec sa propre liberté. Ah ben ça. Être son propre maître, c'est compliqué. Il se réfère toujours à ou des gens qui, entre guillemets, ils ont élu tellement peu de voix qu'on se demande pourquoi ils sont encore là. Mais bon, il a besoin d'un maître, on dirait. Ça me surprend, alors que on pourrait vivre sans gouvernement, sans ministre, sans député, même sans maire, je pense. On pourrait vivre. Je vois pas pourquoi on est dans un système comme ça et qu'on appelle démocratique. Mais bon, ça peut aussi se discuter si c'est vraiment démocratique tout ça. Mais je vois pas beaucoup de gens très libres en fin de compte dans leur vie, qui décident de leur vie. Ça coûte cher de faire des choix. Par exemple, être artiste, c'est pas simple. C'est pas simple. Pour casser la croûte, comme je dirais tout bêtement, bah, c'est compliqué. Et quand on se lance, bah, il faut y croire, hein, parce que c'est long avant d'arriver déjà à avoir. Bah, déjà, notre métier, il faut l'acquérir. Donc, c'est des années de pratique. On n'est pas tout de suite un peintre, un musicien accompli, ou un écrivain, ou je ne sais pas. Ça C'est pas prend comme du ça. temps. Ça prend du temps. Bon, ça prendra beaucoup moins de temps avec ChatGPT et avec Midjourney maintenant, mais bon. Maintenant, Et l'IA IA aussi, les peintures IA qui vous concurrencent. Oui, non, mais maintenant, c'est tout le problème est réglé parce C'est que réglé comme on ça. peut, on devient un artiste d'une seconde à l'autre. Alors, Voilà. c'est très pratique, je dirais. C'est bien. Et ça est dans la continuité aussi de ce qu'on disait. Pareil, ils ont trouvé un nouveau maître. Exactement. On va lire Terence McKenna. Hein? Oui, Oui, de toute façon, les gens. continue, continue. Non, Les non, non, gens. non, non, mais quand on a ce que font par exemple, les plantes et les ouvertures de spiritualité, ça fait une chose. Ce qu'on ramène, c'est qu'on devient super indépendant. On commence à penser pour soi-même. On a une liberté qui est basée sur une sureness, on dit en anglais, je ne sais pas, c'est quand on est sûr que tout va bien, qu'on est en paix, qu'on est protégé, que la vie se déroule comme elle doit. Tout ça nous donne une sécurité qui nous rend indépendants. Et quand on est indépendant, ben, on peut pas être très bien guidé. Alors, lisons Terence McKenna. Les substances psychédéliques ne sont pas illégales parce qu'un gouvernement bienveillant a peur que vous puissiez sauter par la fenêtre du troisième étage. Les substances psychédéliques sont illégales parce qu'elles dissolvent les structures de l'opinion et les modèles de comportement et de traitement de l'information formés culturellement. Ces substances ouvrent votre esprit à la possibilité que tout ce que vous connaissez, pardon, puisse être faux. C'est Absolument. radical. 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 Tellement juste. Je Je... rectifie. C'est pas indépendant, c'est dépendant. Parce que Dépendant. tu dis l'inverse de ce que Ah, tu pensais. alors il Ça, faut c'est des dire, choses. j'ai une tendance de dyslexie que parfois Ah, ça va mettre temps, ça. Ah oui, d'accord, ok. Je vois que c'est je l'entends très bien. étonnant parce L'inverse de que Pascal. là, j'ai écouté, j'ai dit, Voilà. oula, c'est pas du tout ce que tu pensais, je pense. Oui. Voilà. Mais bah, Terence, tu l'as bien connue Je l'ai aussi. Elle est connu, énervante. Hein. oui. Elle a des amis, j'aurais bien voulu les connaître. Mais... Mais qui est Terence? Attention, qui est Terence? Qui est Terence pour ceux qui nous Voilà. écoutent? Ah, parce que, attendez, en France quand même en France, Oui, Monsieur Terence, qui mérite normalement avoir une ovation, Monsieur Terence n'est pas du tout connu du grand public. non. En plus de ça, il n'y a qu'une traduction d'un de ses ouvrages, il en a écrit des dizaines. Il y a un ouvrage de Terence traduit en français, un, et qui est indisponible aujourd'hui. Et indisponible parce qu'il n'a pas été assez édité. Donc, qui est Terence? Qui est Terence? Il n'y a que toi qui peux en parler. Oui, alors Terence McKenna, c'était un des grands philosophes de la fin du 20e, enfin du 20e et du 21e siècle, 21e siècle. Enfin, il a juste touché à ça, mais du 20e, voilà. Et c'était quelqu'un qui avait, c'était un
oui, un penseur, un libérateur de la pensée, très aussi qui vient de qui était très très formé aussi par très inspiré par les années 60 et qui est allé voyager avec son frère Dennis dans la forêt vierge et puis ils ont pris de l'ayahuasca, ils ont eu des expériences extraordinaires et puis qui a en gros moi je le vois un peu comme la suite de Timothy Leary, mais différemment. D'accord. Alors, c'était vraiment quelqu'un qui est déjà, il avait un charisme exceptionnel, et puis il avait une façon de parler qui était tellement poétique et individuelle et intelligent au-delà de tellement du reste du monde que il était captivant. C'était vraiment il avait the gift of gab, c'est-à-dire on dit ça, enfin il était irlandais de ses ancêtres. Alors il avait cette tendance comme James Joyce de vraiment se plonger dans ces mondes autres des peuples de la féerie des autres mondes. Et puis, c'était une joie de passer du temps avec lui, mais parce que il C'était un contestataire, quand il le oui, filme. c'était Contre-culture, contestataire. contre-culture, il donnait du champ-lange à tout ce qui était structure. Il aurait été totalement dingue, tout ce qu'on vient de vivre depuis 3 ans. Je pense qu'il aurait ouvert sa bouche et très fort. Ah bah Terence, oui, il aurait été très 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 verbal avec tout ça, je On le a sais. recroisé Denis Ah, en mars. Dennis McCann a été aussi dans cette grande conférence à Denver au mois de juin, la grande Psychedelic Science Conference. Et C'était là aussi. oui, Paul Stamets était là aussi. Et puis, de toute façon, Mais pour... non, Denis, c'était de Terence. Moi, j'ai pas cette chance. J'ai rencontré en audio. Tu m'as passé des choses, et puis bon, vous connaissiez très bien avec Robert et lui. Mais comme tu dis, en France, quand Ouais. Martina a parlé de Terence McKenna, j'ai fait, c'est qui ce monsieur? Donc c'est grâce à Martina que j'ai commencé à écouter, à voir. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de livre, tu ne trouves rien. Tu dis, Ouais, c'est quand même fou, Et puis hein? c'était aussi quelqu'un Ouais. qui s'intéressait, c'était un historien d'art, il adorait l'art. Et puis il avait lancé une très très belle conférence juste à la fin de sa vie à Hawaï qui s'appelait le All Chemical Conference, la toute. En disant que tout est chimie, tout est dans le cerveau, tout est produit en nous. Et puis nous, on est. Ben Dennis, il continuait sur ce chemin, son frère, en disant que la vie est une expérience psychédélique parce qu'on est toujours en train de produire ces substances qui nous donnent des visions et qui produisent des états de conscience expandus. Donc, dans l'extrait que j'ai cité, il y a bien aussi un sous-entendu de contre-culture qui Ah est bah, le complètement. gouvernement nous manipule et Ah vous oui, nous non, mais c'était enchaînez un quand renegade. Il voulait même, vraiment hein. montrer que pour pouvoir changer le monde, il faut exploser les paradigmes, il faut exploser les structures, mais vraiment à la base, vraiment de notre propre pensée. Pas juste à l'extérieur, par la politique, on change un peu de parti et puis on fait des petits ajustements. Non, pour lui, c'était le problème, c'était vraiment d'aller jusqu'au fond et de péter tout et vraiment éduquer et de devenir nous-mêmes, de prendre notre puissance d'intellect, de ressenti, de vision pour créer un autre monde. Et là, je pense à quelque chose que Robert disait beaucoup, beaucoup de fois, qu'il pensait toujours que c'est vrai que les plus grandes cultures, les cultures les plus exceptionnelles qui ont produit de la beauté et de l'ouverture d'esprit, c'était toujours pensé et créé par des visionnaires. Alors,
Pendant que tu parles, j'ai mis un de tes tableaux qui s'intitule Tot Hermès et qui, à mon sens, il y a une résonance avec ce que tu dis et ce tableau-là, donc je l'ai passé. Y a-t-il, alors Hermès, il est venu deux fois dans deux tableaux, celui d'avant et le caducée et celui-ci. Pourquoi Hermès? Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Hermès pour toi? Ben, pour moi, enfin, le tot et le bain d'Hermès, enfin, le tot, j'ai choisi ce terme-là parce que il y a le dieu tot qui était un des grands dieux des Égyptiens, qui avait ramené tout ce qui a créé notre culture, le langage, l'écriture, la magie, enfin, et puis aussi les connaissances hermétiques. Et donc, et puis pendant la fin des Égyptiens, où il y a eu ce mélange avec la culture grecque, ils ont mélangé les deux. Enfin, ils ont pris les deux dieux et puis ils ont en gros fait un. Et donc Hermès, qui est aussi le messager des dieux. Donc les deux psychopomps, c'est-à-dire ceux qui emmènent les âmes dans les autres mondes, et Thoth était un être qui venait de cette fameuse de la ceinture de l'Orient, on dit. Ah, c'est ce qu'on c'est est-ce que c'est ça que tu as voulu mettre en haut là? C'est là-haut, tu le vois, et c'est donc il venait de la du Dog Planet, constellation. De la constellation, voilà. Je tiens à dire, oui, vas-y. Tu as fait un Thoth Hermès féminin. Et voilà, j'ai fait un Thoth Hermès un peu, enfin, c'est pas fait forcément féminin, il est androgène. Et Androgyne. Androgyne, oui. Et j'aime bien j'aime bien montrer que notre vrai être, c'est ni féminin ni masculin, c'est les deux, c'est tout en gros. C'est pas exclusif, voilà. Est-ce que c'est ça que justement Terence McKenna défendait en disant ils veulent enfermer cette sagesse, Thoth Hermès, ce messager, cette chose que nous avons en nous et qui veut se défaire de tous les carcans. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je vois quelque chose où je me trompe? Certainement, oui, certainement. Et pour moi, ben, la guérison, elle est en nous. Aujourd'hui, il y a ce grand débat sur la médecine allopathique et puis tout ce que ça fait. Ben, on peut pas vraiment guérir si on n'a pas guéri notre si la guérison ne vient pas aussi un peu de nous. Ça ne veut pas dire que la médecine traditionnelle, enfin acceptée traditionnellement, qu'elle n'est pas bonne, mais il y a d'autres moyens que je trouve qu'il faudrait ajouter. Il faut revenir à la sagesse des anciens, aux plantes, et puis nous, on a tous, c'est notre birthright, c'est notre droit de droit naissance. De naissance, de connaître cette connexion à autre chose, au grand à cette grande énergie qui anime toute vie, et de savoir que on est tous reliés, on est tous connectés, interconnectés, et puis on est tous interdépendants. Et de si on pouvait vivre comme ça, le monde, ce serait un paradis. Moi, ça me fait penser à ce tableau. Parce que c'est le titre surtout qui m'a indiqué ça, The Chosen Ones. Moi je le trouve très beau, magnifique tableau. Hein, c'est une nouvelle série que je suis en train de travailler avec très peu de couleurs, un petit peu japonisante quelque part. Puis c'est un nouveau langage pour moi aussi parce que là j'ai une deuxième toile qui est arrivée qui s'appelle Numen. Tu parlais de Jung tout à l'heure, donc la numosité et aussi c'est comment il s'appelle qui parlait de ça, je ne sais plus. Stanislav? Non, oui, Stan, il en parle Stan, aussi. Stan, il aime beaucoup ce terme. Animus et anima, c'est ça. Je dirais que mon monde minéral est à la fois minéral, mais maintenant il est en mouvement. Il est fluide. Il commence à avoir un langage calligraphique. Donc, ça m'intéresse assez de travailler dans cette vision-là.
Et puis surtout, c'est le nom de ma planète, voilà, a priori, c'est Numen. Je Ah, viens d'être. tiens, de Voilà. Numen. Ok. On parlait de ce que tu disais avant, je voulais rebondir. De toute manière, dans l'hermétisme et au niveau de la médecine, on sait qu'on tombe malade quand on a trop de choses ou pas assez de certaines choses. C'est un équilibre, simplement, la santé. Et ça va effectivement, je pense, à la fois des minéraux, des métaux qui nous composent, mais aussi évidemment dans notre esprit, notre âme. Moi, je suis tombé malade, j'ai failli passer, mais c'était juste évident que j'allais tomber malade et qu'il fallait que je tombe malade pour changer ma vie et me retrouver avec Martina. Et reprendre les pinceaux, reprendre la peinture. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire, que tu as dans ton dernier tableau qu'on vient de voir, que tu as que ton monde minéral, qui est normalement perçu comme un monde statique, que tu le vois Pour moi, tous les éléments sont pareils maintenant. C'est-à-dire que l'eau est pierreuse, la pierre est liquide. Voilà. Ce qui indique plusieurs choses pour moi, c'est où tu as vraiment pour toi découvert ta liberté intérieure, où tout cela est possible pour toi, ou bien c'est encore une représentation d'un monde où les minéraux sont en mouvement et l'eau, qu'est-ce que tu avais dit, qui Qui peut être est sableuse. sableuse Et ou elle est statique, plus ou voilà. statique et à la fois minérale aussi. Oui. Je trouve ça très intéressant. Et ça, Je n'ai pas pensé c'est à ça toujours cette avant. planète. Ouais. L'eau, il s'appelle Aleph. Oui, Aleph, le tableau. Donc ça, c'est le nom de la planète, Aleph. Numen. Numen, Le d'accord. tableau s'appelle Aleph. Mais Ok. c'est une partie de la planète. Ça, c'est une partie de la planète. Il y a yin et yang, on dirait. Hein. C'est Oui, et puis c'est mon signe. Qui est Ah. déguisé là, parce que dans mes tableaux, il y a toujours un signe. Et là, c'est cette espèce de vaisseau de pierre qui amène l'eau ou de la connaissance, je ne sais point, dans cette planète. Et mon signe, c'est deux serpes, pour dire très rapidement, c'est deux serpes, une à l'endroit, une à l'envers, avec deux grains de gui. Donc là, les planètes représentent les grains de gui et on peut voir les cercles. Ok, Voilà. ouais. Ok. C'est un signe druidique. Et cette planète est très minérale, en tout cas. Très minéral. Je suis très, très amateur de Dune, de Fantasme. Ah, magnifique, oui, Dune, Et ouais, sûr. j'adore ce que fait Villeneuve aussi. Il a fait du très, très bon boulot. Oh là là, et le deuxième sort bientôt, en Ah plus. oui. Ouais, il est repoussé, malencontreusement, avec cette Incroyable. nouvelle. Mais Ouais. j'attends avec impatience. Et j'ai relu tous les bouquins encore. Et pendant la période du Covid, j'ai relu les sept premiers, mais surtout les trois premiers. Ok. Le Dune, l'Empereur, les enfants. Et à chaque début de chapitre, il y a toujours un petit extrait du livre. Et ça correspondait à tout ce qu'on vivait au niveau politique. Cette vision du pouvoir, de notre positionnement dans l'univers, de l'écologie. C'est pas qu'un roman de science-fiction. Il y a un côté visionnaire. Ah Ah oui, ouais. un Ah, il y a des côté gens comme visionnaire. ça. Alors après, pareil, j'aime Asimov, peut-être, non, aussi, non? Asimov. Isaac Asimov, c'est un Ah côté oui, c'est ça. visionnaire chez Asimov, Ouais, non? bien sûr. Ça, c'est des sources d'inspiration. Puis après, il y a dans la BD, il y a aussi des gens qui m'ont toujours touché. Skoïten, par exemple, avec les Cités Obscures. C'est complètement. Ils ont créé un univers avec Benoît Peters. Mobius. Moebius, évidemment. Mobius, bien sûr, ouais. C'est un maître. Il est parti trop tôt. Oui. Il se mettait à la peinture, il faisait des trucs. Il y avait un rapport à la peinture à Robert. Aussi, oui. Bon, ils se sont rencontrés aussi. Alors, on peut le dire, parce que Robert bossait, c'est lui qui a présenté Giger à Dali. Et ils étaient Ah. travaillés sur le Dune de Jodo. En Donc plus. voilà. Et donc, ils se connaissaient avec Moebius. Mais. Ah oui, Moebius, évidemment. Grand bonhomme. Il y a un côté, enfin, au fur et à mesure que je passe l'étoile, il y a un ressenti de côté. Côté initiation, pas le côté initiation dans la peinture, hein, vulgairement comme ça, un côté de, on pénètre dans un territoire sacré, comme vous l'avez dit, et pour y pénétrer, il faut une certaine quand même initiation, même une catharsis de soi, comme s'il fallait enlever
des scories de son âme. Et on pénétrait dans un territoire baigné de lumière et il fallait rentrer dedans à travers une initiation spirituelle. Elle peut être psychédélique ou autre. Est-ce que vous avez ressenti ça ou c'est propre à chacun? C'est assez drôle. Là, on a eu une exposition en duo juste avant de partir aux États-Unis en avril. Il y avait une soixantaine de tableaux. Et c'est toujours intéressant. Le fait d'exposer, c'est surtout le rapport à l'autre. C'est, voilà, on travaille, on va voir les réactions. Et moi, j'aime bien les choses où il y a plusieurs lectures, toujours. D'accord. En humour, j'aime bien le second degré. Et même s'il est un peu plus poussé, ça me plaît encore plus. Alors après, ce n'est pas pour tout le monde. Et surtout en ce moment, on voit bien que l'humour au second degré, c'est dangereux même. Il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Mais dans la peinture, c'est pareil. J'aime bien que les gens aient une première vision qui peut être que esthétique et qui leur plaît parce que ils vont. Moi, souvent, on me dit ça me fait rêver, ça me fait planer. Ils ont des références aussi. Par exemple, ce tableau comme Aleph, il y en a beaucoup qui m'ont parlé de Moebius. Voilà. Ou Dali. Il y en a qui me parlent de Dali parce qu'il y a ce côté paysage comme ça. Mais après, quand on commence à gratter, il y a les gens qui vont voir des références, effectivement, à l'hermétisme, à certaines cultures spirituelles, à certaines civilisations, parce que bon, je suis passionné des anciennes civilisations aussi, évidemment. Moi, je transmets les choses humaines par rapport au paysage. Je mets plus d'humain presque dans les paysages. C'est plus des, comme je dis souvent je me sens comme un archéologue avec son pinceau qui va. Je peins pas, j'enlève la poussière sur une toile vierge pour faire apparaître quelque chose. Voilà. Ça me plaît bien, cette image-là. Et puis aussi, le fait de. Ce sont un peu mes visions utopiques qui sont peut-être ma vie future, quoi. Ça me Noumène, c'est quelque chose du passé ou du futur? Je pense que c'est toujours présent. D'accord. Ok, extraordinaire. Et Tu donc, sais, dans les textes ésotériques, on parle justement que nous résidions dans d'autres planètes et que nous sommes venus ici, mais en même temps que nous habitons d'autres planètes, dans d'autres niveaux de conscience. Je pense à la Kabbale. La Kabbale parle de ça et ça résonne. Pour moi, ça résonne quand tu dis ça. Tu... ça résonne. Ah oui, on expérimente. Je pense qu'on est vraiment des êtres spirituels qui expérimentons la matière. Est-ce qu'on est multidimensionnel dans ces cas-là? Je pense. Oui. 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 On voyage assez tous les deux pour voir d'autres endroits et on se dit ils ne peuvent pas ne pas exister. Puis même, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on avait parlé. J'avais parlé avec François Schlesser, ça te dit quelque chose aussi comme peintre? Non, pas du tout. Non, je ne connais. C'est des grands ciels avec des planètes, c'est assez époustouflant. Il avait fait la très pochette lumineux, sa peinture. Une pochette pour Bernard Werber, je crois aussi. Il y avait un ciel avec qui jaillissait de la lumière. Et on avait parlé longuement quand on commençait la peinture de faire très attention à ce qu'on crée, parce que ça prend vie. Bah ça c'est et une chose ça, c'était pour se faire rebondir par rapport à Giger, ce qu'il t'avait dit oui. À la fin de vie quand Martina a eu une grande rétrospective aussi 6 mois au musée Giger et elle connaissait bien oui bah, la fin de la vie c'était d'ailleurs avec pendant un Alexandre. module avec Stanislav Grof et sa femme et puis Giger est venu, c'était dans le musée Giger, il m'avait invité pour faire des conférences chaque soir après les sciences de holotropic breathwork et je parlais de la peinture visionnaire, je parlais de ma peinture et celle de Robert et donc Giger est venu un après-midi et puis après je lui ai parlé et puis il m'avait dit parfois j'ai peur de quand je passe de l'autre côté, quand je meurs, de passer dans mon monde. D'accord. De finir là-bas. Ok. Je suis horrifiée de ça. Et c'est logique. Un mec qui fait des presse bébés et qui fait des trucs quand même. Bah c'est. Je reconnais à Giger. Moi, ça n'a jamais été une influence. C'était. Impressionné par son travail. En plus, quand on voit en réalité ses tableaux, c'est très impressionnant. C'est quand même un maître de son art. C'est Mais je ne peux pas vivre avec ça. un art très C'est sombre, mais d'une pas possible. beauté
exceptionnel aussi. Ce qui est pire, c'est très attirant. C'est Il a très fait attirant. les petits tigres sur la planète. Hein. Bien sûr, hein. Giga, ouais. Lui-même, qu'il avait peur de se retrouver dans ces mondes. Moi, je n'ai pas peur d'aller dans mes mondes. J'ai envie d'aller dans mes mondes. C'est pour ça que je voyage aussi. Est-ce qu'on est dans l'imagination créatrice, c'est-à-dire vraiment on crée des mondes avec notre esprit et ça se manifeste lorsqu'on meurt, enfin, ça se dévoile, même durant notre vie, parce qu'on peut avoir contact avec ça d'une multitude de manières, mais c'est l'imagination créatrice, non? Bien Bien sûr, je sûr, pense qu'on bien est sûr. tous créateurs et justement, il faut faire attention. Je pense que c'est une réalité, il faut faire attention à ce qu'on crée et je pense que tout ce qu'on crée se crée dans l'univers. Peut-être qu'on est en train de créer, peut-être que cette planète n'existait pas et que je suis en train de la faire, donc elle se crée au fur et à mesure. Je vois, ouais. Je Et vois, je vois. aussi, ben, tout ce qu'on crée devient part de la cartographie Bien humaine, sûr. parce que les gens voient et ça devient part de leur conscience ou subconscient, et puis ben, ça va les affecter d'une manière ou l'autre. Pour moi, par exemple, les tableaux, quand on les voit, quand on regarde un tableau, ben, d'abord, c'est toujours des miroirs pour moi, parce qu'on ne peut pas voir plus que notre conscience nous permet. On peut aller jusqu'à un certain point, mais comme Pascal dit, si on se laisse, si on s'ouvre à une œuvre d'art, à un tableau, une sculpture, enfin, une œuvre, ben là, c'est là où on peut être imprimé par peut-être l'intention de l'artiste, par les symboles qui sont présents, par une lumière qui peut toucher, et c'est là que les portes s'ouvrent, et c'est là où ils deviennent des portails. Des portails à une autre conscience, à d'autres mondes, et c'est là où on peut vraiment voyager avec les œuvres. Je voudrais rebondir sur Giger, avant de passer à un des tableaux, Martina. L'ombre, l'obscurité, la noirceur, les ténèbres, l'enfer, fait partie de l'art visionnaire. C'est-à-dire, on est obligé de traverser Bien quand sûr. même sa part sombre pour aller vers la lumière. Donc, on nie pas la part négative ou obscure de l'être humain. On essaye, enfin, vous allez me rectifier parce que vous êtes plutôt les maîtres dans cette affaire. On essaye de transcender, de sublimer l'ombre, de la transformer en lumière. Est-ce que je me trompe en disant ça? Il y a quelque chose, j'ai toujours remarqué, j'aime pas la peinture neuneu, comme je l'appelle. La peinture neuneu. New Ouais, Age, peut-être, c'est ça, New voilà. Age. Ok. C'est des gens charmants, j'en connais plein, hein. Je ne vais pas Ouais. citer les noms. Mais il n'y a pas de lumière sans ombre. Il faut les deux. Donc, ils peignent que de la lumière. Quand tu peins de la lumière, à la fin, c'est un point blanc, quoi. C'est plus de la peinture. C'est autre chose pour moi. Mais c'est de la peinture intuitive. Ouais. C'est pas fuir la réalité en même temps, ce genre de choses-là. Peut-être C'est on peut pas regarder l'ombre. Non, non, moi je vais bien. C'est beau, faire tout est l'autruche, joli. Ouais, hein, peut-être, peut-être ouais. mettre la tête dans le sable. Notre monde, il est fait de. C'est un yin et yang, Oui, effectivement, et oui. c'est l'ombre et la lumière. Et pour moi, pour que la lumière soit encore plus présente, il faut, même dans un tableau, une part d'ombre. Et peut-être aussi ça, le degré de l'ombre qui peut exister dans l'œuvre d'un artiste, ça dépend peut-être aussi du degré auquel l'artiste a besoin d'extérioriser, de sortir cette ombre de son être, parce que ça aussi, ça peut être un outil, l'art peut être un outil immense, comme c'était pour Giger, pour parler de ça, pour le sortir, parce qu'il faisait des cauchemars, et c'est pour ça qu'il peignait comme ça, parce que c'était vraiment son monde intérieur qui voulait s'exprimer, et puis voilà, et puis il a essayé de le sortir. C'est une bonne chose pour l'auto-guérison. Après, on a tous des coins d'ombre, on a tous de la lumière, et pour moi aussi, il y a les deux. Dans mon travail, il y a les deux. Oui, puis après, il y a les Et c'est stéréotypes aussi, parce que par exemple, suivant les personnes qui regardent notre art, mes tableaux peuvent effrayer des gens, j'en suis conscient. Il y a des gens qui ça les inquiète, alors que moi, bon, ça ne m'inquiète pas, et je sais que je ne peins pas vrai. quelque chose de négatif. Et Martina, alors elle a encore plus de problèmes, c'est le coup de peindre des serpents. Tableau, alors tu peux te dire que là, le nombre de personnes, je ne peux pas regarder, je ne supporte pas les serpents, alors que les serpents, Ouais. c'est quand même un signe de connaissance,
une forme de très sagesse. Ancien, Et la forme, très... c'est quand même pour la médecine, on sait que c'était fait de ça. Je sais pas, il y a un rapport aussi peut-être aux reptiliens dans leur tête, qui ont des images, voilà. Mais les serpents, c'est pas méchant, un serpent. Il faut qu'il arrête avec ça. C'est un animal assez passionnant en plus. Mais donc toi, ça, le nombre de fois qu'on t'en parle, Ah oui, tout ça le temps, c'est c'est. toujours la Et là, grande il voit une question part pour d'ombre. moi. Bien Ah, sûr. ça me fait peur parce qu'il y a des serpents. Donc c'est aussi, comme tu dis, un miroir. Les gens voient des choses que nous, on n'a même Oui, pas vues, on n'a pas peint, on n'a pas et c'est ressenti. aussi une part de l'éducation parce Oui. que, par exemple, dans le monde chrétien, le serpent, c'est quelque chose de très méchant, c'est la cause de tout malheur. Et puis, Dans d'autres civilisations, c'est pas ça. dans le temps ancien, le serpent, c'était toujours un symbole du sacré, de la féminité, voilà, de la transformation, du renouvellement. Voilà, ça, c'est ma créatrice. Et voilà, c'est donc encore une fois, la mère créatrice qui est carrément avec ses jambes écartées, qui donne naissance à l'univers. Avec peut-être des serpents sur la tête. Oui, c'est des formes serpentines, voilà. Elles sont là un Elles peu. sont là, Oui. la C'est créatrice quelque du chose. monde. Oui. Oui, les serpents. Non, les serpents, il faut aussi expliquer que c'est quelque chose qui s'est imprimé dans mon être avec le travail avec les plantes maîtresses, enfin comme l'ayahuasca. Et c'est là où j'ai eu des visions immenses de serpents. Et c'est pas de cette culture. Ouais, voilà. Pas mal de gens qui ont aussi interprété le serpent comme un symbole de l'ADN. Ah Oui, oui, effectivement. il y a Jeremy Jérémy Narby Narby. qui en parle et Voilà. ça paraît évident. Et C'est même intéressant. si on pense au caducée, ben, c'est très intéressant tout ça. Tout à Bon, après, fait, tout à fait. tu vois que donc Martina peint le féminin sacré. Ouais. Ah, on n'arrête pas de me dire que je peins le masculin sacré avec mes pierres levées et dressées. Donc, on entend aussi Tiens, une bonne voix eh, là-dessus. vas-y, je montre un de tes derniers tableaux. Voilà. Hein. Donc, Passerelle. voilà, ça c'est la passerelle, ouais, que tu as intitulée la passerelle. Il Donc, y a certains des y voient pierres dressées un encore hein, dans la passerelle, on les voit. Hein. nouveau. Non, mais bon, ça c'est une lecture freudienne, très freudienne, Très très freudienne. basique, Et ouais, ça me très fait toujours basique. rire parce que vraiment, ce n'est pas un truc auquel je pense quand je peins. Je ne suis pas là, moi, à penser ça. Mais bon, ils y voient ce qu'ils veulent. Hein, c'est pas bon. Oui, voilà, chacun ses références Après, et il y ses a réductions. certainement dans l'inconscient quelque chose de présent, on va me dire. Mais il faudrait que Stanislas m'analyse. Il me dirait peut-être, oui, effectivement, tu as un problème. Mais tu vois, toujours comme tu disais au départ, des passages, des Les trous, des passages de l'univers. crevasses, voilà, des passages d'univers, oui, voilà. Et Tu vas aller sur Numen? Ou toujours. toujours, toujours, c'est ça. Je ne l'ai peut-être pas quitté. Hein. Ah ouais. On me l'a déjà dit souvent que je n'étais pas vraiment incarné ici. J'avais un pied D'accord. ailleurs. Ok. Mais non, et puis les gens, ça m'a toujours. Je me rappelle une personne qui m'avait dit après une exposition ce que j'aime dans votre travail, alors qu'ils étaient complètement. Connaissaient pas cette peinture, ces univers, c'était pas leur monde. Mais elle avait dit, ça m'angoisse pas parce qu'il y a toujours un endroit où je peux partir, il y a un échappatoire, je peux sortir de vos tableaux. J'avais même pas analysé ça et c'est assez juste. C'est des endroits où on peut se promener, quoi. Et souvent, j'ai remarqué que dans tes tableaux, il y a des glyphes, tu vois. Ici, on en voit un là. Attends, je vais essayer Et d'augmenter. ça, c'est encore le signe de Pascal. Ouais, C'est c'est le signe, hein. C'est ta la même. signature. C'est ma Ouais. signature. Et Voilà. c'est la forme de Aleph, Voilà. de l'être Je le qui mets est en comme ça. suspension. Ah S'élever. oui, je vois. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ah oui. Et il y a un côté EMI, hein, si je regarde en haut, là, à gauche, avec la lumière. On rentre dans la lumière, là. Ouais, C'est sûr, exactement. oui. Ah, toujours un petit côté naissance. C'est oui, c'est naissance ou Ou mort, l'autre porte. mort imminente ou Ce qui est une autre mort. naissance C'est pour moi. ça, ouais. Côté EMI, enfin EMI ou Stanislas Grof, Ouais. respiration holotropique, ça se rejoint, là. Enfin, je ne veux pas faire une lecture, mais
Il y a quelque chose qui parle hein, dans tes tableaux. Je présentais la dernière de Martina, enfin l'avant-dernière de Martina, l'avant-dernière, okay, qui est celle-ci. Ah oui. Ah, Ah merci. oui, The Blessing. Voilà. Encore une toile que j'ai peinte un peu pendant le Covid. Enfin, j'ai commencé avant et je l'ai finie juste après. Et j'avais, enfin, cette toile, elle est assez intéressante dans le sens, c'est aussi une toile très cathartique. J'ai sorti, là, j'ai vraiment sorti quelque chose que je portais en moi, c'est-à-dire que j'ai commencé cette toile juste après la mort de ma maman. Je me suis mis dans, j'ai tout vidé, j'ai vidé mon studio, j'ai écarté la toile qui est très grande par terre et je me suis déshabillée, j'étais carrément sans vêtements, j'étais juste moi, deux pinceaux et de la peinture et j'ai commencé à faire des mouvements Que des mouvements. avec les deux mains pour, j'avais cette envie de sorte de travailler ce deuil, cette tristesse, tout ce que j'avais vécu autour de son départ. Et cette toile, elle est restée sur le mur pendant, je dirais, 1 an et demi. Et tout d'un coup, je me suis dit, je la peins, c'est juste avant le Covid, comme je dis, et je l'ai commencé. On va bien loin. Et elle vient de très très loin et cet être s'est reproduit. C'est une espèce d'archange, si tu veux. Je pense que c'est pour moi, je ne sais pas, je ne suis pas. Quelque chose m'a dit que c'était Michael. Donc l'armure et puis ce côté guerrier. Et puis cet être est apparu pour maîtriser déjà tout ce qui est environnement, les éléments, l'eau, le feu, voilà, la terre un peu, voilà aussi. Et il était là pour que j'ai ressenti après que tout ce qui nous arrive dans la vie, même si c'est très dur et c'est incompréhensible au début, avec le temps et avec la distance, avec la perspective, on se rend compte que beaucoup de fois, les expériences les plus dures de la vie se transforment en bénissement. C'est-à-dire on apprend par la douleur, on apprend par l'ombre, beaucoup de fois, par l'angoisse, par le deuil, la séparation. Et puis, à la fin, on se rend compte quand on sort de l'autre côté, comme les beaux passages de Pascal, on passe par ce canal de naissance qui peut être très angoissant, comme explique Stanislav Graf dans ses stages périnatales. On passe par ce canal de naissance et on a même, juste avant qu'on sort à la lumière, on a l'impression qu'on va mourir. Et quand on a des expériences très, très, très compliqué, on a toujours l'impression c'est la fin de nous, c'est notre être qui dit je peux plus vivre, je peux plus exister, c'est trop fort comme pour moi et je peux pas aller plus loin. Mais quand on va un peu plus loin, oups, il y a un autre plateau, il y a de la lumière et puis tout recommence et recommence même mieux beaucoup de fois parce qu'on passe à une autre compréhension du monde, peut-être plus sage. On a laissé un peu plus, on a peut-être laissé un peu de notre contrôle des choses, et puis on se rend compte que voilà, maintenant, on peut accepter, on peut se laisser faire. Et ce tableau-là, c'est exactement sur ça. Ça, c'est un des premiers tableaux que j'ai fait précisément mon travail avec l'ayahuasca. Ça s'appelle Caught in the Web, c'est-à-dire attrapé dans la toile. Et c'est un corps, une femme qui est un peu attachée par des lianes et qui vomit cette vision, ce qui est très très ayahuasca parce que quand on c'est une substance qui fait vomir.
Et le vomissement, ce n'est pas une chose mauvaise, c'est-à-dire que c'est une chose qui sort carrément physiquement les toxines du corps, mais aussi les toxines émotionnelles, psychiques, voilà. Et c'est ma représentation de cette situation. Et la première règle dans l'ayahuasca, ou avec le travail, même dans le travail avec la spiritualité, tout simple pour moi, la première règle, c'est toujours, il faut lâcher prise. Si on est capable de lâcher prise, on peut laisser venir les choses et on se rend compte que c'est que des choses. On peut les regarder, on peut y réfléchir, on peut les expérimenter. Et à la base, c'est juste là pour nous montrer quelque chose. Et si on peut passer à travers ça, il y a quelque chose de très beau qui se passe. Et c'est la confrontation avec la grâce et la connaissance de cette subtile énergie que j'aime bien appeler la source. Voilà. Et dans ce tableau, on voit les animaux totem de l'ayahuasca, donc le jaguar, les serpents, et puis il y a plusieurs petits êtres, des ours, voilà, et puis voilà, c'est un tableau très. Et les gens qui regardent ce tableau, qui ne me connaissent pas, mais qui ont eu cette expérience avec ces plantes, ils savent tout de suite ce que c'est. Ils vont regarder la toile, il y a une reconnaissance. Quand on a fait ces voyages, on se reconnaît et on reconnaît les représentations. C'est très étonnant. Quand ils voient ta toile, ils vomissent. Alors, c'est comme Parodia quand il est heureux. Ça peut être une bonne nouvelle. C'est cathartique, oui. Peut-être. Oui. Je devrais peut-être mettre un petit pot en dessous. Attention, ça fait vomir. Voilà. Purgatif. Purgatif. Ça me rappelle des choses. Bon, j'espère qu'au moins, avec toutes ces toiles, Ah, du coup, tu disais quoi, Pascal? Ça, c'est l'expérience la plus bizarre pour nous. C'est quand quelqu'un pleure devant un de nos tableaux. Ah, vous avez déjà vu ça. C'est vraiment touchant. Et ça, c'est. Et il y a des gens. Il y avait un peintre, un ami, Bruce Rimmel. Oui. Qui, Chimeria, une des éditions de Chimeria. Il était devant un de mes tableaux. Il pleurait. Il sanglotait, mais il pleurait, mais à grosses larmes. Et il ne savait absolument pas pourquoi. Et il n'a pas pu me le dire. Mais le tableau lui faisait vraiment une réaction. Donc, ça va loin, les tableaux. Les représentations d'images peuvent provoquer de drôles de choses. Un numénien, peut-être. Peut-être un numénien. Possible. Bon, en tout cas, j'espère qu'avec tous ces tableaux, tout ce qu'on a pu discuter, que le sens de l'art visionnaire est rendu plus clair et qu'on a pu vraiment éclaircir vraiment le sens, les thèmes, l'idée qui sous-tend ce mouvement, vraiment, qui dépasse l'humain, hein, qui vient depuis les grottes préhistoriques. Hein, il aurait été sympa peut-être que j'en mette une autre fois peut-être, hein, on verra. En tout cas, je vous laisse la parole pour la fin. Qu'est-ce que vous voulez dire à ceux qui vous regardent? Oula. Oula. Je peux dire à ceux qui nous regardent. Qu'ils n'hésitent pas à expérimenter dans leur vie les choses. Que leur vie soit magique. C'est ce que je leur souhaite. Ce n'est pas vraiment que j'ai envie de leur dire quelque chose, mais je leur souhaite vraiment de la magie dans la vie. Parce que nous, ce qui nous relie tous les deux, c'est vraiment la magie. C'est notre rencontre est à quelque chose de l'ordre de la magie. C'est en ça que c'est très important, je pense, pour nous deux. Et Robert est toujours présent aussi. Comme je dis souvent, c'est mon frérot, c'est mon grand frère. Et c'était un master, vraiment un grand master. Il ne faut pas l'oublier. Je sais que les jeunes souvent oublient les anciens peintres. Et vous n'êtes plus là, on ne parle plus de vous, c'est un peu comme ça. Nous, on fait tout notre boulot et tout notre possible pour que Robert soit très présent. Et on travaille sur des beaux projets. Si aussi, je veux dire ça. Oui. Donc là, il y a l'exposition de Martina en novembre. Il y a l'exposition de Martina en décembre avec la sortie d'un jeu de tarot. Oui. C'est 7 femmes.
Donc, Liba Waring, il y aura, qui a lancé ça. C'est présenté par Dreams of Divinity. Dreams of Divinity. Il y a Amanda Sage dedans, il y a Carrie Anne Bad, il y a Martina, il y a plein de 7 femmes qui ont fait ça. Mm-hmm. Après, on travaille déjà sur le travail de rétrospective en Allemagne, dans un musée, à côté de Stuttgart. Un an d'ici. En novembre 2024, avec 150 tableaux. C'est un gros challenge. Une grande rétrospective. Normalement, tous les trois. Et puis, on espère incorporer aussi le travail de Robert. On va peut-être le faire venir ici en Europe, parce qu'il est la plupart de ces tableaux que je garde pour la famille et pour la collection. Pour la collection, c'est aux États-Unis, dans ma maison, mon studio là-bas. Et ouais, ça, c'est donc le grand travail qui nous attend pour l'année qui arrive. Et puis, on espère aussi pouvoir créer un espace, un mini-musée, une galerie qui va permettre au public de pouvoir accéder à l'œuvre de Robert, nos œuvres aussi, régulièrement. Si on expose pas, mais que ce soit ouvert au public et que les gens, ça c'est un plus grand projet du futur, mais on espère avoir ça. Et voilà, ça c'est des projets d'art. Et surtout, pour moi, je pense que ce qui m'a beaucoup marqué, tu as demandé avant, c'était qui Terence McKenna ou qu'est-ce que c'est, comment il était dans. Pour moi, les gens les plus impressionnants que j'ai rencontrés dans la vie, donc Terence, McKenna, Dr. Albert Hoffman, Stanislav Graf, tous ces personnages-là, ils ont une chose en commun, ils n'ont jamais perdu, même si je les ai connus dans un âge très avancé, certains comme Stan et Albert, ils n'ont jamais perdu leur curiosité, leur excitement et leur excitation et émerveillement envers le monde et toutes les possibilités qu'il y a dedans. Ils sont tous d'une générosité exceptionnelle. Ils partagent, ils transmettent et ils ont tous travaillé sur une chose. Nous inclut peut-être aussi, là je peux nous inclure, que tout est possible. Il n'y a pas de limite. Il ne faut pas dire ça n'arrivera jamais. On est bien entouré. Il y a toujours, pour moi, il y a toujours raison de rester calme et de savoir que les choses peuvent toujours se tourner vers le mieux. Il ne faut pas perdre l'espoir. Surtout pas dans ce monde qui est si compliqué, si complexe et si changeant. Parce que là, on est quand même dans le typhoon, là, en ce moment. Le message est lancé et entendu. Et j'espère que certains comprendront la profondeur de ce qui est dit. Et ils auront toutes les infos. Tout est sous la vidéo. Donc, juste rajouter un truc. Oui, je t'en prie. Bien sûr, vas-y, vas-y, je t'en prie. Réveillez-vous, c'est tout. Oui. Je vais le marquer en gros à la fin. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Attends, on a préparé les panneaux. Ouais. Ah, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette émission. Et toutes les personnes pourront vous joindre. Toutes les infos sont sous la vidéo. Donc, Instagram, Facebook, le site internet. S'il y a des conférences à droite, à gauche, on les mettra. Vous inquiétez pas. Et je vous remercie bien à vous deux. Merci Martina. Merci Pascal. Merci à tous ceux qui nous regardent. Oui, merci Daniel pour cette belle opportunité de partager. Ah, c'est un grand plaisir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.